Jesus. Jehovah. A suscité un homme devant sa face. Et j'ai pu maintenant zoom. We took the bus, it was too far. It was really too far, like 7 hours. Je m'appelle Madame Judith Lusanga. Je viens de l'États-Unis. Je viens des États-Unis, de Washington DC. J'attendais cette occasion et aujourd'hui, c'est arrivé. Les enseignements, c'est tellement formidable, c'est tellement bien. L'agneau, l'agneau.
Seigneur est saint. Oui, car il est glorieux et digne de règne. L'agneau est souverain, oui, souverain. Nous élevons la voix pour l'agneau est souverain, 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 Somebody put your hand together for the Lord. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux acclamer plus fort que ça. Merci. L'agneau de Dieu est souverain. Shalom tout le monde. Shalom everybody. Shalom a todo el mundo. Shalom à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Shalom to those that are following us all over the world. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Today is a great day, a wonderful day. Hoy es un día maravilloso. Un jour de ton miracle. A day of your miracle. El día de tu milagro. Ça restera un jour inoubliable pour quelqu'un. It will remain unforgettable day for somebody. Y será un día inolvidable para alguien. Même si tu ne me crois pas. Even though you don't believe me. Aunque no me creas. Même si tu as des doutes. Even though you are doubting. Aunque dudes. Peu importe ta position. It doesn't matter your position. No importa tu posición. Tu écriras le jour d'aujourd'hui quelque part. Oh, tu n'as pas entendu ça. You will write the day of today somewhere. Escribirás este día en un lugar.
Les jours ne sont jamais les mêmes. The days are not the same. Los días nunca son los mismos. Chaque jour a ses particularités. Every day have its particularity. Cada día tiene sus particularidades. Aujourd'hui est un jour spécial. Today is a special day. Hoy es un día especial. Je ne suis pas un charlatan. I'm not a charlatan. No soy un charlatán. Je sais de quoi je parle. I know what I'm talking about. Sé de qué estoy hablando. C'est un jour très spécial. It is a very special day. Es un día muy especial. Très spécial. Very special. Muy especial. Holy Ghost, love you. Merci, Seigneur. Thank you, Holy Spirit. Merci, gracias, Espíritu Santo. Dis à toi-même, mon âme. Tell yourself, my soul. Bénis l'Éternel. My soul, bless the Lord. Mon âme, my soul, alma mia, bénis l'Éternel. My soul, bless the Lord. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Célébrer tes louanges. Oh, car ta bonté vaut mieux. Oh, car ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Father, we give you grace because your goodness is better than life. Tu nous accordes un jour merveilleux, spécial. You have granted us a wonderful day, a special day. Dans ta merveilleuse présence. In your wonderful presence. Nous espérons, Seigneur, au miracle et à la guérison et à la délivrance pour la gloire de ton. We are expecting miracle, healing, and deliverance for your glory. Nos esperamos a milagros y sanidad. Nous croyons à ta sainte parole qui dit là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là avec eux. We believe your holy word that says when two or three gather together, you are in their midst. Creemos en esa palabra que dice que cuando dos o tres están unidos en tu nombre, estás en su medio. Que ton règne se manifeste. May your reign manifest in this place. Des milliers de
gens qui nous regardent, qui espèrent en ton nom, manifeste-toi, Seigneur. Thousands and thousands of people that are hoping your name manifest yourself in their life. Et milliers et milliers de personnes qui espèrent ta présence manifeste-toi. Nous ne serons point confondus, Seigneur. We will never be confused. Que no seamos confundidos. Car tu es avec nous. Because you are with us. Porque estás con nosotros. Y pray. Que tu es, Seigneur. Y pray. Que tu es. Y pray. Que tu es. Seigneur, oh, libre de toi. Nous sommes dans ta présence. We are in your presence. Estamos en tu presencia. Pour recevoir de toi ce que tu as préparé pour nous avant la fondation du monde. To receive from you what you prepared for us before the foundation of the world. Para recibir lo que has preparado por nosotros antes la fundación del mundo. Prie, prie de toi, Seigneur. Oh, prie, prie de toi, Seigneur. Oh, yeah, prie de toi.
ouvrez-le dans le livre des Juges. We open our Bible in the book of Judges. Au chapitre 6. Judges, chapter 6. Capítulo 6. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. You will know the truth and the truth will set you free. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé. Nous parlons de ce sujet. Since last week, we are talking about this subject. Desde la semana pasada, hemos empezado con este tema. Et nous avions vu les différentes dimensions de esprits. And we saw different type of spirit. Y habíamos visto las diferentes dimensiones del espíritu y los espíritus. Trois types d'esprits. Or three type of spirit. O los tres tipos de espíritus. Nous avions développé surtout l'esprit humain. We developed especially human spirit. Sobre todo habíamos desarrollado el espíritu humano. Différentes dimensions dans l'esprit de l'homme. A different type of dimension in the spirit of man. Las diferentes dimensiones en el espíritu del hombre. Et aujourd'hui nous continuons dans ce sens-là. Today we are going ahead with the same subject. Y hoy vamos a continuar en este mismo tema. Comment faire pour réussir dans ce monde? What to do to prosper in this life? Comment hacer para tener éxito en este mundo? Comment faire pour faire face à l'adversité? How to do to face adversity? Comment hacer para enfrentar la adversidad? La Bible dit la vérité vous libérera. The Bible says that the truth will set you free. La Biblia dice la verdad les hará libres. Tout ce qui se passe dans ce monde. Everything that is happening in this world, se passe d'abord dans le domaine spirituel. It happens first and foremost in the spirit. Primero ocurre en el mundo espiritual. Tout est géré dans l'esprit. Everything is led in the spirit. Todo es dirigido en el mundo espiritual. Si vous voulez réussir, vous voulez vivre de votre liberté dans ce monde. If you want to live in liberty in this world. Si quieres tener éxito y vivir en libertad en este mundo, vous devez connaître ce que c'est vivre dans le spirituel. You need to know what it is to live in the spiritual. Tienes que saber lo que significa vivir en lo espiritual. Vous devez savoir vivre dans le spirituel. You need to know how to live in the spiritual. Necesitan aprender a vivir en lo espiritual. Tout le monde, tous ces gens que vous voyez qui dominent dans ce monde aujourd'hui. All those people that you see that control the world today. Todas estas personas que dirigen el mundo hoy. Ils ont tous une vie physique et une vie spirituelle. All of them have a physical life and also spiritual life. Ellos tienen todos una vida física y una vida espiritual. Ce sont des gens qui ont toujours une double vie. Those people are double life, have double life. Siempre tienen una vida doble. Hallelujah. Amen. Vous ne pouvez pas réussir le jour si vous n'avez pas réussi la nuit. You cannot prosper in the daytime if you do not prosper in the night. No puedes tener éxito de día sin haber ganado por la noche. Alors si vous êtes ignorant de ces choses, vous resterez toujours au service des autres. If you are ignorant about these things, you'll be at the service of others. Así que si ustedes ignoran estas cosas, siempre se quedarán al servicio de los otros. Nous sommes dans un monde de puissants. We are in the world of power. Estamos en un mundo de poderosos. Le monde est un monde dirigé par des puissances. The world is a world led by power. El mundo es dirigido por poderes. L'air que vous voyez là. The air that you see. El aire que pueden ver. Cette air là. This air. Este aire contient puissance. Contain power. Contiene un poder. Cette air peut vous donner la vie. This air can give you life. Puede darles la vida. Peut aussi vous tuer.
It can also kill you. Pero también puede matarles. Le soleil que vous voyez, the sun that you see, el sol que ven, nous donne de la vitamine D. Give us a vitamin D. Les da vitamina D. Il nous donne la vitamine D. He gave us vitamin D. Vitamina Cette D. Vitamine est naturelle. This vitamin is natural. Un vitamina natural. Mais le même soleil, but the same sun, pero este mismo sol, mismo peut sol, vous donner un cancer. Can also give you a cancer. Puede darles un cancer de la peau. A skin cancer. Cancer de la piel. Le même soleil peut vous tuer. The same sun can kill you. Este mismo sol puede matarles. Il contient une puissance. It contains power. Tiene un poder. Il donne la vie. It can give you life. La vida. Il donne aussi la mort. It can also give death. Pero también muerte. T'es géré par la puissance. Everything is led by power. Todo es dirigido por el poder. Cela dépend de quelle puissance il s'agit. That depend on which power is Pero talking depende about. Del poder de qué se trata. Dans chaque homme, il y a la puissance. In every man, there's a power. En cada hombre hay poder. Dans votre corps, il y a la puissance. In your body, there's a power. En su cuerpo hay poder. Dans votre corps, il y a la vie. In your body, there's life. En su cuerpo hay vida. Comme le soleil, il y a la vie et il y a aussi la mort. Like the sun, there's a life and there's a death. Como con el sol hay vida y muerte. C'est pourquoi la Bible dit. That's what the Bible says. Por eso dice la Biblia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Life and death are under the power of the tongue. Que la vida y la muerte están Dans en la lengua. Dans votre bouche, il y a la vie et la mort. In your mouth, there's a life and there's also death. En sus bocas hay la muerte y la vida. Cela dépend de la manière dont vous allez utiliser votre langue. That depends on the way that you will use your weapon. Depende de la manera con que va a utilizar esta Alors, lengua. Pour mieux utiliser la langue, il faut apprendre comment utiliser la langue. To use your tongue better, you have to know how to use your tongue. Y para utilizarla bien, hay que aprender. La Bible dit, la parole est une épée à deux tranchants. The Bible says that the word of God is a two-edged sword. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Alors, une épée à deux tranchants, il faut savoir comment la tenir. Two-edged sword, you have to know how to hold it. Es necesario saber manejar una espada si de Si vous ne savez pas comment tenir cette épée, alors elle vous blessera vous-même. If you do not know how to hold it, you will hurt yourself. Si no sabes utilizarla, puede herirte a ti mismo. Alors, la parole est une épée à deux tranchants. The word of God is a two-edged sword. La palabra de Dios es una espada de doble filo. En elle, il y a la vie. In him, there is a life. En ella hay vida. Il y a aussi la mort. And there is also y también death. Muerte. Cette parole est dans votre bouche, la Bible dit. This word in your mouth. Y esta palabra está en su boca. Dans votre cœur. Is in your heart. En su corazón. Et près de vous. And it is close to you. Y a su lado. Comment utiliser cette parole? How to use this word? Cómo utilizar esa palabra? La parole est esprit. The word is spirit. La palabra es Toutes choses ont été faites par elle. Everything was made by him. Todo fue creado por ella. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nothing of those that was created without Nada de lo que fue creado lo fue sin él. En elle In him, la vie. En ella, In him there's life. Hay vida. Et la vie, la lumière des hommes. Life, the light of men. Y la vida, la luz de los hombres. Je mets devant toi deux chemins. I place before you two ways. Pongo frente a ti dos Dis caminos. La parole. Says the Lord. Dice la Biblia. C'est la parole qui met deux chemins. Is the word that set two ways. Es la Biblia que pone dos caminos. Il dit, je mets le bien et le mal. He said, I place good and evil. Dice, pongo el bien y el mal. Je mets le bien et le mal, la vie et la mort. I place good and death, life and death. Pongo el bien y el mal, la vida y la muerte. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives toi et tes enfants. I advise you to choose good so that you may live you and your children. Pero te aconsejo escoger el bien para que vivas tú y tus hijos. Cela dépend aussi du choix que tu vas faire. That also depend on the choice that you will make. También depende de las elecciones que vas a hacer. Quel est le choix que tu fais aujourd'hui? What is it, the choice that you're going to make today? ¿Cuál será tu elección tu choisis hoy? La vie, you choose life, Eliges ou tu la choisis vida? La mort, or you choose death. O la muerte. D'où vient la mort? Where did death came from? ¿De dónde viene la muerte? Quelqu'un
me dira ça vient du diable. Somebody will tell me it came from the devil. Alguien me dira que viene del diablo. Pero no. La mort ne vient pas du diable. Death that did not come from the devil. La muerte no viene del diablo. La mort vient de la parole. The word, the dead came from the word. La muerte viene de la palabra. Jean chapitre 1 verset 1 dit au commencement était la parole. John chapter 1 verse 1 said in the beginning was the word. Juan capítulo 1 versículo 1 dice je dis, tout vient de le spirituel. I see everything came from the spiritual. Est-ce que quelqu'un me saisit? Is somebody here? Me está siguiendo alguien. Tout vient de le spirituel. Everything came from the spiritual. Todo viene de lo espiritual. Vous voulez être fort. You want to be strong. Quieren ser fuertes. Vous devez connaître le monde spirituel d'abord. You need to know the spiritual world first of all. Primero tienen que conocer. Vous voulez être plus grand que tout le monde. You want to be greater than everybody. Quieren ser más grandes que vous devez être plus grand dans le domaine spirituel d'abord. You need to be great in the spiritual realm. Primero tienen que ser más grandes en el mundo espiritual. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to somebody? Est-ce que je parle bien? Am I talking good? Allo yo bien. Ayaba shaka charaba shaka. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. Al principio era la palabra. La parole était avec Dieu. The word was with God. La palabra estaba con Dios. Au commencement n'était pas la mort. In the beginning was not death. Al principio no era la mort. La mort n'existe pas au commencement. In the beginning, death did not exist there. Al principio, la muerte mais c'est no la parole qui existait. It is the words that was existing. Era la palabra et que la existait. Parole existait avec Dieu. And the word was existing la with God. Palabra existía et la parole con Dios. Était Dieu. And the word was God. Y la palabra era Dios. Et la Bible dit toutes choses. The Bible says that everything y la Biblia dice que toda cosa ont été faites par elle. Everything was made by him. Fue creada por ella. Écoutez-moi bien, toutes choses. Listen good. Everything. Escuchenme bien, toda cosa. She said everything. Dice toda cosa. In heaven. En los cielos. Upon the earth. Sobre la tierra. Are you hearing me? Me oyen bien? It's people from internet. Are they following me? Are you hearing me good? Me están siguiendo bien los de internet? Is my microphone good? Funciona bien el micrófono? Il faut approcher un peu. Il faut l'approcher. Give me the microphone on the hand. The microphone was lost. Toi, tes cheveux vont pousser aujourd'hui. Today your hair will grow today. Ces cheveux vont pousser. Je suis décidé à faire pousser ces cheveux. Hallelujah. Decided to make your hair to grow. Oh, Rashaya Makarata Makashakata. L'ignorance tue. Ignorance kills. La ignorancia mata. L'ignorance tue. Ignorance kills. La ignorancia mata. Ah, l'ignorance est dangereuse. Ignorance is very dangerous. La ignorancia es peligrosa. Ha, 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 ha.
Alléluia. Quelqu'un dit Somebody say ouh. Quelqu'un dit ouh. Serrez vos ceintures. Nous allons décoller maintenant. Somebody tight your belt. We are about to take off. Arreglen sus cinturones. Vamos a empezar. Dieu créa toutes choses par sa parole. God created everything by his words. Dios creó toda cosa por su palabra. Je suis en train de vous amener dans une autre dimension spirituelle. I'm about to take you to another dimension spiritually. Estoy llevándoles a otra dimensión espiritual. Pour utiliser tout le domaine que Dieu vous a donné, toutes les capacités plutôt que Dieu vous a donné dans le domaine spirituel. To use all the ability that God gave to you in the spirit realm. Para utilizar todas las capacidades que ton œil s'ouvrira aujourd'hui. Amen. Your eyes will get open today. Tu ojo va a abrirse hoy. Où que tu sois. Wherever you are. Donde quiera que estés. Ton œil s'ouvrira. Your eye will be open. Ton oreille spirituelle s'ouvrira. Your spiritual ear will open. Tu oído espiritual va a abrir. Ton entendement spirituel s'ouvrira également. Your spiritual understanding will be open. Tu entendimiento espiritual también va a abrirse. Afin que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. So that all the glory be given to our God. Para que toda la gloria sea para nuestro Dios. Tout dépend de la manière dont vous voyez. Everything depends on the manner you can see. Todo depende de la manera con que ven. Tout dépend de la manière dont vous entendez. It depends on your way of understanding. Todo depende de la manera con que ustedes comprenez. And then you will understand. Y la manera con que ustedes entienden. Est-ce que vous me saisissez? Are you catching me? ¿Me entienden? Pour agir, vous avez besoin d'entendre et de voir. To manifest, you need to hear and see. Para actuar es necesario oír y ver. Vous ne pourrez agir sans voir et entendre. You cannot react without seeing and hearing. No pueden hacer nada sin oír y ver. Est-ce que vous me voyez? Are you seeing me? Vous me voyez bien? Can you see me good? Vous me voyez bien? Can you see me good? OK. Vous me voyez, non? Are you seeing me? Ustedes me ven, ¿no? Voir seulement ne suffit pas. Seeing alone is not enough. Ver solo no es suficiente. Y alguien que demanda a Dios, Señor, ouvre-moi les yeux spirituels, ouvre-moi, mais tu oublies que tu as aussi les oreilles spirituelles. Some people pray, open my spiritual eyes, open my spiritual eyes. You are forgetting there are also spiritual ears. La gente ora para que se abran sus ojos espirituales, pero no piensan en los oídos. A ta place, au lieu de demander l'œil spirituel, je commencerai par demander l'oreille spirituelle. At your place, instead of asking the spiritual eye, I will ask about the spiritual ear. Si fuera yo, primero hubiera pedido la apertura de los oídos espirituales. Parce qu'il y a des gens qui ne voient point mais qui marchent. Because there are people that cannot see but they can walk. Porque hay personas que no caminan pero. Comment font-ils pour marcher? How are they doing to walk? Ils marchent par le son. They walk by the sound. Parler son. They walk through sound. Lo hacen por el sonido. Avoir le son. To see the sound. Tener el sonido. Est une autre façon de voir également. It is another way to see as well. Es otra manera de ver. Tu peux voir. You can see. Puedes ver. Mais si tu n'entends pas, if you can tu es avec si no oyes, you are blind. Eres ciego. Hein? Regardez dans Ésaïe 58, pardon, Ésaïe 6, verset 8. Look in the book of Isaiah 6. Miren en Isaías, capítulo 6. Juste une parenthèse. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Il a dit, « J'ai entendu. »
Il a entendu quoi? He said, la voix du Seigneur. Qui disait? He oído. Aussi. Qui enverrai-je? Qui marchera? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Walk for us. Qui enverrai? Je répondis, me voici, envoie-moi. I answer, see me here, send me. Il répondait, aimez à qui? Enviamé. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Vous voyez? You see? Ben. Vous avez l'œil pour voir. You have eyes to see. Tienen el ojo para vous voyez. You are seeing. Ustedes ven. Mais vous ne saisissez rien. But you can't catch anything. Pero no comprenden vous nada. Avez les oreilles pour entendre. You have the ear to hear. Vous entendez. You are hearing. Mais vous ne comprenez rien. But you do not. Pourquoi alors? Nada. Why? Por qué? Pourquoi alors? Dis à ton prochain. Tell your neighbor. Dile a tu prójimo. Il y a dimension et dimension. There's a dimension and there's a dimension. Hay dimensión y dimensión. Hallelujah. Dis à ton prochain, il y a dimension et. Tell your neighbor there's a dimension and dimension. Dile a tu prójimo, hay dimensión y dimensión. Hallelujah. On m'appelle, on me dit quelqu'un qui est enceinte est en train. Quelqu'un me dit j'ai fait un rêve. Telle personne est enceinte, mais elle accouche et puis elle est morte. Somebody called me that he said that this person is pregnant and she gave birth and she felt dead. Alguien me llamó para contarme un sueño. Elle a vu. Se trataba de una mujer embarazada. Dans le rêve. Después de dar à luz, se murió. Elle a vu et elle a entendu. She heard and she saw. Mais quand elle est sortie de son rêve, when she came out of the dream, y al salir del sueño, elle n'a rien compris. She didn't understand anything. No había entendido elle nada. Va vers la personne qui est enceinte et dit, j'ai vu que tu as accouché et tu n'es pas sorti, tes enfants sont restés. Ah. She went towards this person and said, I dreamed that you give birth, but you did not overcome it. Se fue a ver esa persona embarazada para decirle he visto que tu dabas. Qu'est-ce que cela va faire dans le cœur de cette personne là? What that will do in the heart of that person? ¿Qué pudo esa noticia crear provocar en el corazón de esa persona embarazada? Create a fear in the life of that person. El miedo. On m'appelle. On me donne la nouvelle. Me llaman. Me dan la noticia. Crié dans l'immédiat. I shout immediately. J'ai dit au nom de Jésus. I said in Jesus' name. Je détruis ce projet. I destroy this thing. Je détruis ce projet. I destroy this thing. Je détruis ce projet là. Je détruis ce projet là. I destroy the project. Alléluia. Amen. Après 7 mois de grossesse. After 7 months of pregnancy. Después de 7 meses de embarazo. On m'appelle. And they call me. Me llamaron. Très tôt matin. Early in the morning. Temprano por la mañana. Elle a des douleurs d'accouchement. Ah, 7 mois. 7 mois. Des douleurs d'accouchement. Dolores de parto. Of pain. Au 7e mois. 7th month. Je me suis rappelé. I remember. De ce rêve là. I remember of that dream. J'ai dit ok. I say all right. Mets ta main dans son ventre. Lay your hand upon. Elle est très loin là. She's very far. Dans un pays d'Afrique. In a country moi ici à l'Arabie, j'ai dit, mets la main dans son ventre. Je commande à l'ennemi. I command the enemy. Quitte son ventre. Leave her, brother. Maintenant. Now. In the name of Jesus Christ. Jesus. En el nombre de Jesús. J'entendais, j'ai poussé des cris, des douleurs d'enfantement. I heard a shouting, she was in contraction. J'ai dit, ok. Y ella gritaba a causa de los amenez-la à l'hôpital. I said, carry her to hospital. Elle va accoucher. Dicho que le traían a 7 mois à l'hôpital para que dé à luz. Elles sont parties. Des jumeaux en plus. And they were twins. Se fueron y ella dio luz a gemelos. Je suis resté avec ma femme. I remain with on a continué la prière. Rachatatara. Le domaine spirituel doit être contrôlé. The spirit realm needs to be controlled. L'église doit contrôler le lieu spirituel de la France, de l'Europe. L'église doit contrôler le lieu spirituel.
The church needs to control its place. L'église a commencé à contrôler le monde spirituel de France. Tout se passe dans le spirituel. Everything is happening in the spiritual. Toutes les décisions viennent du domaine spirituel. Every decision came from the spirit realm. Toda decisión viene del mundo espiritual. Que personne ne vous trompe. Let nobody deceive you. Que no se dejen engañar. Ce n'est pas la science qui décide. It's not the science that decides. Las decisiones no vienen de vous pouvez croire à ce que vous voulez. You can believe in what you want. Creer mais moi je vous dis la science ne décide rien. But me, I'm telling you, science never decides anything. Les digo que la ciencia no decide. Mais la science est sous pression. But the science is under pressure. Sino que la ciencia es presionada. Est-ce que je parle bien? Am I talking good? Hablo yo bien. Je vous dis, la science est sous pression. I told you, science is under pressure. Les digo que la ciencia es bajo presión. Parce que ceux qui donnent, font la pression à la science, et aussi ils sont sous pression. Those that giving the put pressure in the science and they are also under pressure. Lorsque financent la ciencia, quelqu'un dit, somebody say, donne-moi cette bouteille. Give me this bottle. Diga, esta bouteille. Dame esta botella. Oui? Y a quoi dedans? Water. Adelo, non? ¿Qué hay dentro? Bon, si c'était un être humain. He was a human being. Il va dire quoi? Y si fuera un ser humano. What will he say? Diría? Il va parler à qui? Il va s'adresser à qui? He will speak to who? Je suis en train de presser là. Vous comprenez? Je presse. L'eau. Estoy presionando. The water. Qui est dedans? That is in there. Est en contact avec moi? Dentro. Non. He is in security with me. Non. No. L'eau qui est là-dedans est en contact avec la bouteille. The water is in contact with the bottle. Alors si elle doit se plaindre, if it needs to complain, elle va se plaindre à la bouteille. It will complain in the bottle. Así que si necesitas quejarte, lo va a hacer a la botella. Est-ce que la bouteille est responsable de la pression? Is the bottle responsible of the alors qu'est-ce que la bouteille va lui dire? What the bottle will tell? Mon ami, je suis pour rien. My friend, I'm for nothing. Que no es su culpa. Oh, est-ce que je m'exprime bien au moins? Est-ce que mon français est compréhensible? M'explique-yo bien. I am understandable. I'm African man. Je suis un Africain. Soy africano. Je ne suis pas européen. I am not a European. No soy donc, européen. S'il y a des erreurs de faute de français, passez, comprenez seulement. If there are a mistake of a French language, just go ahead. Así que si hay errores de francés, que me perdonen. Donc je m'en fous là. Faute ou pas, je continue à prêcher. I don't care. Mistake, no mistake, I continue to preach. No, no me importan los errores, voy a continuar la predicación. Au commencement était la parole. In the beginning was the word. Al principio era la palabra. Au commencement, c'était pas le français. In the beginning was not the French. C'était la parole. Al principio no was the word. Français, sino la palabra. Oh, il parle pas bien français. Est-ce ton problème? You don't speak well French. Tu comprends pas ce que je dis. Tu tampoco hablas. Presse la bouteille. You are not understanding what I'm saying. Press the bottle. La pression vient d'ailleurs. The pressure came from somewhere else. La bouteille dit, ah, je souffre. And the bottle said, oh, I'm suffering. Y la botella dice que está sufriendo. Bon, maintenant la bouteille va se plaindre à qui? And when now the bottle will compl- se y a quien puede to whom la bouteille? To whom the mais la personne qui la presse. And the person that is c'est pressing. Le corps qui la presse. A esa persona que la c'est mes mains. Is the body that is et les mains on vont dire quoi? And the je suis pour rien. And he said, I'm for nothing. Que no se trata de su culpa. Dieu t'a approché à dimension et dimension. Even though there are tell your neighbor, it is a dimension and there's oh, ton oreille souffrira aujourd'hui. Your ear will open today. Hallelujah.
Tu deviendras un homme, une femme miracle. You will become a man and woman of miracle. Te volverás un hombre una mujer milagro. Tu ne marcheras plus comme autrefois. You will not walk again as the other day. Aïe. Tu ne marcheras plus comme autrefois. You will not walk anymore as before. Tu ne caminarás como antes. La Bible dit si quelqu'un est en Christ. The Bible says if somebody is in Christ. La Biblia dice si una persona está en Cristo. Il devient une nouvelle créature. He became a new creation. Se vuelve una nueva creación. Les choses anciennes sont. All things are passed away. Han pasado las cosas antiguas. La presión anciana. The old pressure is pasado la presión antigua. Ce ne sont pas les scientifiques qui décident sur ce que vous allez vivre demain. Ils reçoivent la pression de quelque part. Je suis en parabole. Est-ce que quelqu'un me comprend au moins? I am a parabolic word. Is somebody listening to me? No son los científicos los que deciden lo que va a pasar y lo que ustedes va a vivir mañana. Quelque part, on leur donne la pression. Somewhere they give them a pressure. En algún lugar están bajo presión. Si tu resistes, if you resist, you will die. Eso je parle bien. Vas a morir. Hablo bien. Tous ceux qui résistent. All of you that will resist. Todo lo que resiste. Ils sont plus. They are no more. Ya no está. Hein? Allez fouiller, vous allez comprendre ce que je dis. Go in church, you will know what I'm talking about. A cause. Busquen y lo van a descubrir. A causa de la presión. Un homme qui se nommait Martin Luther King. There's a man that called himself Martin Luther King. Hay un hombre que se llamaba Martin Luther King. Il était sous pression lui aussi. It was under pressure. También estaba bajo presión. Après j'ai dit, hey, quoi? After I say, hey, moi sous pression. Me under pressure. No, bajo presión. No, no, pas moi. Not me. Et comment ça? À s'entêter. And he began to be stubborn. Y empezó a resistir. Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther. Toi, tu crois que tu es grand? Do you think you are great? Attends, on va te montrer. Grande. Wait, we will show you. Vamos a mostrarte. Vous avez compris? Me han entendido? Ils ont fait quoi? Hein? They killed him. Quelqu'un dit pression. Somebody say pressure. Mais je dis toujours. I always say. Pero siempre digo. Il y a pasteur et pasteur. There is pastor and there is pastor. Que hay pastor y pastor. Il y a d'autres personnes, même quand vous le tuez, il ne meurt pas. There are certain people, even though you kill them, they won't die. Hay personas, au contraire, quand vous le tuez, il devient encore plus grand. Contrary, if you kill him, he became even greater. Ils l'ont tué, mais il est devenu plus grand. Jusqu'à aujourd'hui, il fait parler de lui. They kill him, but he became more greater. Until today, he speak about himself. Fue matado, pero también fue engrandecido porque hasta ahora se habla de él. Et vous voulez qu'on vous tue comme ça? And you want to be killed like this? Tu veux disparaître de ce monde comme ça? You want to disappear in this world like this? Quieren desaparecer de este mundo. Dis à ton prochain pression. Tell your neighbor pressure. Dis à tu prójimo presión. Il y a des choses qui vous pressent. There are things that put pressure on you. Hay cosas que les presionan. Vous êtes né meilleur. You are born good. Han nacido mejores. Laissez-moi vous ouvrir l'œil. Let me open your eye. Dejen que les abra los ojos. Regarde-toi toi-même. Look at yourself. Mírate a ti mismo. Dis à toi-même. Say to yourself. Y dite a ti je mismo. Suis né meilleur. I am born better. He nacido mejor. À ta naissance. At your birth. Cuando nací. Tu te battis contre la mort. You fight against death. Has luchado contra la muerte. Même ta mère a risqué de laisser sa vie. Even your mother risked to lose her life. Incluso tu madre se arriesgó a perder su vida. Et c'est bien.
Mais tu es sorti vainqueur. But you came out conqueror. Tu resaliste vencedor. Nous agissons par rapport à la connaissance que nous avons. We manifest according the knowledge that we carry. Vous comprenez? Voilà où je veux en venir. Nous agissons par rapport à la connaissance que nous avons. We manifest according the knowledge that we have. Actuamos según el conocimiento que tenemos. Il y avait un boxeur qui s'appelait Mohamed Ali. There was a boxer called Mohamed Ali. Hay un boxeador que se llamaba Mohamed Ali. Le jour où il va aller se battre avec un autre boxeur qui se nomme Joe Foreman. The day we go and fight with another boxer George Foreman. Yes, George. El día cuando hizo el combate contra Ils vont se battre où? Dans un pays d'Afrique. Ils voulaient se battre chez eux en Afrique. Where they will fight? They wanted to fight in their country in Africa. El combate tuvo lugar en África, en sus países. Ils sont américains africains. They are African American. Comme moi, je suis européen africain. Like me, I am African European. Así como soy europeo africano. Avant d'arriver là-bas, but before coming there, pero antes de llegar, tout le monde savait, everybody knew, todo el mundo sabía, que c'était la mort et la fin de la carrière de Mohamed Ali. Everybody knew it was the death and the end of the career of Mohamed Ali. Alors, il faut regarder, revoir les vidéos, vous allez comprendre. You need to rewatch the video, you will understand. À cette époque-là, in those days, George Foreman était grand fort. George Foreman was big and strong. George Foreman era grand. Tout le monde savait. Everybody knew. Tu te mets en face de lui. You rise up. Une minute c'est beaucoup, tu es parti. 1 minute is too much, you are gone. Un minuto es mucho tiempo. Hein? Rasha Bakataromo, hey, hey! Et le jeune Mohamed Ali. And the young Mohamed Ali. Et le joven Mohamed Ali. Il faisait pas le poids. Regardez les vidéos, c'est sur YouTube. It was a very tiny. Il faisait pas le poids. Era muy ligero contra él. Was no heavy. Mais il avait quoi? L'information. Pero qué tenía? What did he la have? Communication. He had a communication. Il savait communiquer. He knew how to communicate. Il avait l'art de la parole. He had the gift of the word. Jusqu'à apprendre l'africain. Until he took the African. La langue du Congo. Apprendre. Et il a entraîné tous les jeunes à faire une chanson. Malu, boumier. Cela veut dire tue-le. Il teach children to learn a son. Ali, kill him. Ali, boumaye. Les enseignants ouais. Des niños del Congo. Tous les jeunes disaient Ali, boumaye. Ali, boumaye. All the youth were saying, Ali, boum, ye. Plus ton adversaire parlera contre toi, plus tu deviendras vulnérable si tu le laisses parler. More your adversary will speak against you, more you become vulnerable if you let him speak. Cada vez más habla tu enemigo. Plus tu laisseras le sorcier t'envoûter par ses paroles maléfiques et que tu ne sais pas contredire ses paroles, il réussira à te tuer. More you will let witchcraft release evil words against you, more they will prosper killing you. Si dejas que el brujo continúe con sus encantamientos. C'est pourquoi vous voyez les ennemis de l'humanité utilisent les médias pour inspirer la peur et la manipulation. That's why you see the enemy of the world is using a media to inspire fear in people. Y por eso se ve que los líderes de este mundo utilizan los medios de comunicación. Les médias là, c'est une arme puissante. This media is a powerful weapon. Vous avez vu comment ils mettent la pression là. Do you see how they install pressure? Son capaces de instaurar la presión. Il y en a qui sont morts des arrêts cardiaques. Ils ne sont pas morts de COVID, mais d'arrêt cardiaque. Some à chaque fois, COVID est venu. Il est à 2 km, à 5 km. Muchos están muertos de ataques cardíacos. Tu meurs. Quoi? Variant. Il est où? À 2 km. Il est juste là. On doit les enfermer tous, sinon ça va traverser la frontière. Ah! They said variant is coming. We need to close the border, otherwise it will go ahead of the border. Vous ouvrez la télé. La première chose, variant sud-africain. The TV, first of all,
Comme quoi, variant sud-africain. Attends, je vous ouvre l'œil. Moi, je ne suis pas avec moi. I'm opening your eyes. Variant sud-africain South African variant. A traversé le Zimbabwe. Go ahead, la Namibie. Through Namibia. Et il traverse encore le Botswana. He go through Botswana. Attendez. Wait a minute. On va parler. On doit être sérieux là. We're gonna speak. On doit être sérieux. Vamos a hablar, tenemos que ser serios. Variant traverse Botswana. The variant go ahead. Il traverse Zambie. He go ahead of Zambia. Il traverse Tanzanie. He go through Tanzania. Il traverse l'Angola. He go through Angola. Il traverse le Congo démocratique. He go through Congo. Il passe par le Cameroun. He go through Cameroun. Après il traverse Tchad. He go through Tchad. Nigeria. He go through Nigeria. Et voilà, il traverse Alger. L'Algérie. Et Maroc. Morocco. L'Espagne. Spain. Jusqu'à ce qu'on le voit en France. Until we see him in France. Hasta llegar a Francia. Tous ces pays-là, variant sud-africain dit je ne descends pas ici. All those countries, South African variant said I'm no landing here. El variante se dit non. A quedar. Said no landing in this country. No. Quería llegar. Voilà. Je suis pas intéressé en Afrique. I don't have a no. Interesado a los países. I'm not African. Je suis pas africain. Soy africain. I'm European. Je suis européen. Soy europeo. Ah. Variant. Variant. Tu vois là, tu n'as pas vu d'autres pays. You did not see other countries. No has visto otros países. Tu sautes comme ça. You pour nous faire like peur ici. To make us scared. Ah, où tu es vrai ou tu es fabriqué. Or you are right or you are man-made. Real o fabricado. Ah, chataka. Des fois, j'ai dit, je ne veux plus parler de ça, il faut que je ferme ma bouche. Mais ça sort toujours. Sometimes I say, I don't want to talk. The word came out. C'est sorti seul. C'est pas ma faute. Désolé. It's not my fault. I'm sorry. J'aime pas les mensonges. Ça me gratte. I don't like lies. No me gusta la mentira. Me rasca. Parce qu'il y a une pression. Because there's a pressure. Porque hay una presión. Comme Mohamed Ali a fait la pression. He made pressure. Parlez. Mohamed Ali, he made pressure Ali? Through speaking. Regardez, je vous envoie regarder ce combat-là. I send you to watch this on l'a nommé combat du siècle. They call it the fight of the year. Ces mecs arrivaient dans le ring, ils ne boxaient pas. This man came on the ring, it was no fighting. C'est George Foreman qui le suivait avec des coups. Combattir. Il ne faisait que fuir. George Foreman was following me with a punch. He was il s'est penché dans George le corde. He was running in the tower. Et quand il faisait comme ça, il insultait son adversaire. When he do like this, he would insult. Il énervait. Solo evitaba. À force de taper de coups, il est fatigué. Quand on lui a donné un seul coup, il fait quoi? By hitting, he was tired. When they give him one punch. Era tanto cansado que al cabo de solo un puñetazo se cayó. Aleluya. Quelqu'un dit dimension. Somebody say dimension. Que alguien diga dimensión. Quelle est ta dimension spirituelle? What is your spiritual dimension? ¿Cuál es tu dimensión espiritual? Tout dépend de la connaissance que tu as. You depend on the knowledge that you carry. Todo depende del conocimiento que tienes. On va te faire avaler n'importe quoi si tu n'as rien là. They will make you swallow everything if you don't have anything here. Pueden hacerte tragar cualquier cosa si no tienes nada en tu cabeza. J'ai dit, au commencement était là. In the beginning was the word. Vous êtes nés. Dicho al principio era la palabra. Vous avez vaincu la mort à la naissance. We have conquered death from the. Comment vous avez vaincu la mort? Vous ne savez pas. How do you conquer death? We don't know. Mais moi, je veux t'apprendre comment tu as vaincu la mort. I want to teach you how do you conquer death. Pour enseñarles cómo pasó. Quand l'enfant est né. When the child is born. Cuando nació el niño. Il naît, tout enfant naît avec sa bouche. Every child is born with his mouth. Cada niño nace. Mais. Con su boca. Comme par hasard, dans le ventre de sa maman, l'enfant ne parlait pas. Mystically, the child did not speak in the belly of the mother. Pero en el vientre de su mamá, el niño no habla.
Et quand il va sortir, à la première minute, il va sortir. When he will come out, the first minute he will come out. Y después del primer minuto, il y a deux choses qui se battent. There are two things that will be fighting. Qui cherchent à dominer cet enfant-là. They try to control that child. Que tratan de controlar este niño. La vie. Life et la mort. And death. La vida o la muerte. Alors, si la pression de la mort est forte, if the pressure of death is stronger, si es fuerte la presión de la muerte, les médecins ou les sages-femmes vont prendre l'enfant là, ils vont le soulever, ils vont même le taper afin que le signe de la vie se manifeste. And the nurse, they will take the child like this and they will hit him so that the sign of life may come back. El equipo médical puede levantar el niño por el pie y sacudirlo para que dé una señal de Dieu peut permettre une souffrance dans votre vie pour faire manifester sa gloire. God can allow a suffering in your life to manifest his glory. Dios puede permitir una prueba en sus vidas para manifestar su gloria. Sa gloire égale vie. His glory equal to life. Su gloria significa vida. Est-ce que je parle bien? Am I talking good? Hablo yo bien? Alléluia. Dimension spirituelle. Dans Juges, chapitre 7. Judges, chapter 16. Nous allons voir cette histoire. We're going to see the story. En Jueces, capítulo 16. Non, chapitre 6, pardon. Chapter 6, sorry. Capítulo 6, perdón. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Oui. Restez debout. Remain standing. Les enfants d'Israël. The children of Israel. Los hijos de Israel. L'autre jour, je vous ai parlé de la source de ce nom Israël. The other day, I talked about the source of this name Israel. El día pasado les había hablado de. Et ici, lit ces enfants d'Israël, donc les enfants de Jacob. Here he's saying the children of Israel, I mean the children of Jacob. Y aquí los hijos de Israel. Les enfants de la famille de Jacob. The children of the family of Jacob. Los hijos de la familia de Jacob. Firent ce qui déplaît à l'Éternel. Did something what the Lord did not like. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. À cause de cela. Because of that. Y a causa de esto. Dieu va les livrer à leurs ennemis. God will give them over to their enemy. Dios les entregó entre las manos de sus enemigos. Le malheur qui s'abat sur toi vient d'où? The misfortune that came to you came from where? La desgracia que vives, ¿de dónde viene? La souffrance que tu as vient d'où? The suffering that you carry came from where? Tu sufrimiento, ¿de dónde viene? Alléluia. Amen. D'où vient cette souffrance? Where did that suffering came from? De dónde viene este sufrimiento? Quelle est la source de cette souffrance? What is the source of your suffering? ¿Cuál es la fuente de este sufrimiento? Tu agiras par rapport à la connaissance que tu as. You will manifest recording the knowledge that you carry. Actuarás según el conocimiento que tienes. Si tu n'as pas de connaissance, if you do not have a knowledge, no tienes conocimiento, il n'y aura pas d'issue non plus. And there will not be way out. Tampoco habrá salida. Tu seras conduit par une autre personne. You will be led by somebody else. Serás dirigido por otra persona. Alléluia. Amen. Et la personne qui te conduit est une bonne personne? And the person that is carrying you there is a good person? Y es buena esa persona que te dirige? Cette personne a-t-elle de bonnes intentions pour toi? This person have a good intention towards you? ¿Tiene buenas intenciones esta persona? Cherche-t-elle ton bien? Is he looking for your goodness? ¿Busca ella tu bienestar? On l'amenait chaque matin et on venait le chercher le soir. They would bring him every morning and the evening and go and carry him. Parce qu'il était? Y venían a buscarle. He was blind. Cada noche porque era ciego. Il ne voyait pas. He could not see. No podía ver. Il avait ses membres avec lui. He had
Il avait ses jambes. He had his members, il pouvait travailler pour gagner sa vie. He could work and have his own mais life. Il ne les voyait pas. But he could not see. Ceux qui voyaient venaient à lui comme des personnes qui veulent l'aider. They were coming towards him like many persons that want to help. Como personas que querían ayudarle. Écoute, mon ami. Listen good, my friend. Escúchame bien, nous avons un bon boulot. We have a good work. Tenemos un buen trabajo. Tu auras ton pain chaque soir. You will have your bread every day, daily. Et chaque midi, nous allons t'apporter ton pain. Il n'y a pas de problème. Oh, d'accord. Every Thursday, tout ce dont je désire, c'est avoir un pain. Bread. Y cada mediodía vamos a traerte también el pan. Ok, on l'amène là. On passe un panier là, on met un panier là, lui il demande l'argent. Et vous savez de qui je parle? Board, vous lisez la Bible, non? Lo comment il s'appelle? What's the name? Comment il s'appelle? What's the name? George Josie. C'est qui alors? Ustedes leen su Biblia, ¿cómo se ah, llama? Vous ne lisez pas la Bible. You don't read your Bible. Les internets, comment il s'appelle? Il ustedes était avec. Su Biblia, los de internet. On l'a mené dans la rue. Ça, c'est question pour un champion. Vous n'avez jamais regardé c'est question, question pour un champion. Hein? Toi, tu as gagné, Bartimée. Alléluia. On va faire maintenant souvent les questions pour les champions à l'église aussi. Amen. We're gonna make a question for champions. Les chrétiens sont trop spirituels. Vous êtes trop spirituels, mais sans lettres. You are too much spiritual with a oh non, lui il dit qu'il parle des choses du monde dans l'église. Encore question pour les champions de l'église. Oh, mais nous sommes dans quel monde alors? Alléluia. On n'est pas au ciel, on est dans le monde. We are not in heaven, we are in this normal world. No estamos en los cielos, sino alors, en les soirs, on venait le chercher. In the evening, they were coming to carry le panier him. Plein d'argent. The basket full of mais money. Lui, il ne voit pas. Con la but he could not see. Il ne connaît pas la valeur de l'argent. He don't know the value of money. Son argent à lui, money, c'est lui qui a travaillé. The one who on a donné l'argent là. C'est son argent. Había ganado este money. Dinero. Comme il ne le voit pas, because it can't il va se comment contenter peut-il du pain qu'on va lui donner. We consecrate him on the bread that he gave to je suis con el pan que recibía. Je parle en parabole. Amen. I'm speaking in parable. Hablo en parábolas. Il y a un groupe de gens qui sont tellement élevés. There are a group of people that are too much elevated. Et ils veulent rester élevés. And they want to remain elevated. Et ils veulent faire de notre monde leur petite parcelle. They want to do our country and their small vous flying. Serez rabaissé in Jesus name. You will be put down in Jesus name. La Bible dit les premiers seront les derniers. Les derniers seront les. À moins que cette parole manque. Mais si cette parole dit la vérité. Oh my God. Ils seront rabaissés. It's not by might. It's not by power. But by my spirit. Saith the Lord. Hallelujah. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Pour le pouvoir de l'Esprit Saint. Toi qui crois dominer. You that believe controlling. Toi qui crois prendre la place de Dieu. You that believe taking the place of God. Tu seras rabaissé. You will be put down. Le Dios va a ser rebajado. Hallelujah. Il prend ce qui est à toi. He took what belonged to you. Il veut gérer ça. You want to take care of it. Et te donner un tout petit peu. And give you small. Solo dándote una pequeña parte. Et au-dessus de là, il va créer une loi. Above that, he will create a law. C'est lui-même qui crée la loi aussi. He is the one who created the law. Pour se protéger. Il dit, voilà, j'ai été voté. C'est le peuple qui m'a voté. Maintenant, je vais faire des lois. Ce n'est pas le peuple qui a fait la loi. C'est toi-même qui a fait la loi. He said he is voted. Now you have to change. Nous allons t'arrêter par la même loi là. Nous allons t'arrêter. We're gonna arrest you through the law you created. Vamos a detenerte por esta ley que has creado. Hey, que je continue. May I continue? Deja que siga. L'Église. Church. L'Église vit dans la peur continuelle. Church live in a continual fear. La iglesia vive en un miedo continuo. La peur de l'église ne commence pas aujourd'hui. Fear of the church does not begin today. La peur est un esprit. Fear is a spirit. El miedo es un espíritu. Quand Jésus est mort,
When Jesus died, la peur avait saisi les apôtres. Fear catched the apostles. El miedo se había apoderado de los discípulos. Il a fallu que Jésus, après sa résurrection, apparaisse devant eux pendant 40 jours pour leur rassurer et enlever la peur qui était en eux. Jesus needed to appear to them 40 days to take away the fear that was in them. Jesús tuvo que quedarse con ellos durante 40 días para darle el seguro necesario. C'est pourquoi la Bible dit. That's the reason why. Por eso dice la Biblia. L'esprit que vous avez reçu. The spirit that you received. Ce n'est pas l'esprit de servitude pour vivre dans la peur. It is not the spirit of fear to remain in fear. No es el espíritu de servidumbre para vivir en el miedo. Si tu as peur, tu resteras toujours esclave du système. If you are scared, you will remain the slave of the system. ¿De qué tienes miedo? Si tienes miedo, te quedarás esclavo del sistema. On lui donne le peu qu'on peut lui donner, qu'on veut lui donner, alors qu'il avait gagné plus. They give him small while he gain a many. Combien tu reçois un poco con relación con lo que había, todo lo que había ganado. How much do you receive? Tu vas travailler comme un frère m'a parlé hier et dit. You're gonna work. Travail, a brother talked to me yesterday. Dans mon travail, at my work, cette année, this year, je fais entrer plus de 800 000 euros à lui seul. I brought more than 800,000 euros himself. C'est un ingénieur technicien. It is an engineer technician. Il a fait entrer plus de 800 000 euros dans son travail cette année, malgré la crise. He brought for his work 800,000 in his company. A pesar de la by crisis, him alone. Gano mais 800, lui-même, euros a favor de il ne gagne pas plus que 50 000 par an. Himself, he does not gain more than 50,000 per year. Pero su salario no va más allá de 50,000 euros por año. You understand? Vous comprenez? You understand? Si tu es faible, aveugle, sourd, dans le domaine spirituel, tu resteras l'esclave des autres. If you are blind, if you are deaf, if you are dumb in the spirit realm, you will be a slave of others. Si eres ciego, mudo, débil en el mundo espiritual, te quedarás esclavo en el mundo físico. Tout ça dépend de la connaissance continue dans Jésus. All of that depends of your todo knowledge. Todo depende del conocimiento. La main de Madian fut puissante contre Israël. Si vous tournez le dos à Dieu, if you turn your back to God, si ustedes dan la vuelta a Dios, Dieu va vous livrer à vos ennemis. God will give you to your enemy. Dios les va a entregar entre las et la main de vos ennemis, and the hand of your enemy, y la mano de sus enemigos, cette pression sera tellement forte sur vous, that pressure will be so much upon you, esa presión será tan fuerte sobre ustedes, vous aurez du mal, and you will have a problem, vous aurez, resultará muy difícil, it will be very tough for you, será muy difícil. La Bible dit avec Dieu. The Bible says, "With God, la Biblia dice, con Dios, nous ne serons pas sous pression. We will not be under pressure. No estaremos mais bajo nous presión, ferons des exploits. But we will do exploits. Sino que haremos si tu es avec Dieu, if you are with God, si estás con et que Dios, tu es sous pression, and you are under pressure, c'est que tu n'es pas avec Dieu. That means you are not with God. Tu mens. Significa que no estás con Dios. Estás mintiendo. That's right. Hallelujah. Dieu avec toi. God with you. Just contigo. Et l'ennemi te presse. No. The enemy is pressuring you. Mais il est où Dieu? Where is God? ¿Dónde está Dios? Continue, nous allons voir ça là-bas. Continue, we will see it. Continua, vamos a verlo. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Cette année, this year, ça, c'est prophétique ce que je dis. This is prophetic what I'm saying. Cette année, this year, 2021, 2021 et 2022, and 2022, si le peuple
give l'Europe, give the people of Europe. Continue à refuser Dieu. Continue to refuse God. Le peuple de l'Europe, the people of Europe, cherchera des cavernes pour se cacher. They will look for burn to hide themselves. La palabra tendrá que buscar una grotta para esconderse. Vous entendez ce que je dis? Do you hear what I say? Quelle que soit votre couleur de peau, it doesn't matter your skin color. No importa su color de piel. Je prie Dieu. I'm praying to God. Comme Seigneur Jésus-Christ avait prié. Like the Lord Jesus Christ prayed. Et il nous avait dit. And he told us. Priez. He said pray. Afin que so that ces choses-là, those things, quand elles arriveront, when they will come, ne vous trouvent pas en hiver. Will not find you in winter. No les sorprenda en invierno. Parce qu'il y a une calamité qui arrive. Because there's a calamity coming. Je vous dis, il y a une calamité qui arrive. I'm telling you, there's a calamity coming. Je répète encore. I repeat myself. Retenez ce que je dis. Remember what I'm saying. Écrivez quelque part. Write it down somewhere. Gardez l'image. Keep the image. Moi, J.P. Macanzo. Je vis dans le domaine spirituel. In the spirit realm. Les calamités à venir. I see the calamity that are coming. L'Europe, si elle ne tourne pas et se retourne pas vers Dieu, they do not go back to God. L'Europe, son orgueil tombera par terre. Europe with its pride will fall on the ground. Su orgullo va a caer. L'orgueil de l'Europe tombera. The pride of Europe will fall. El orgullo de Europa va a caer. La France deviendra le pays le plus pauvre du monde. France will be the most poor country in the world. Francia será el país más pobre del mundo. Je parle de ce qui était déjà écrit et souligné. I'm talking about what was already written down and signed. Hablo de lo que ya estaba escrito. Le ciel et la terre n'appartiennent pas aux humains, appartient à Dieu. Heaven and earth does not belong to human beings, but belong to God. Y la tierra no pertenecen a los hombres, sino a Dios. Le monde dit toute vérité n'est pas bonne à dire. The world say that you cannot say all the truth. El mundo dice no es bueno decir todo. Mais la Bible me dit, dis-leur toute vérité. The Bible tell them all the truth. Pero la Biblia me dice. Allez par tout le monde. Annoncer la vérité à toute la création. Go all over the world, announce the truth to all the creation. Car ils connaîtront la vérité et la vérité le. Because they will know the truth and the truth will set them free. Même si vous refusez cette vérité. Even though you deny this truth. Moi, je ne maudis pas la France. I don't curse France. Mais je dis ce que je vois. But I'm seeing what I'm seeing. J'avertis. I am warning you. Alors, si vous êtes sage, if you're wise, si vous voulez bien écouter le conseil de Dieu, listen to the advice of God, vous éviterez ces calamités. You will escape this calamity. Mais si vous entêtez, but if you are stubborn, vous dites nous sommes développés. You say we are very developed. Continuez dans ce développement. Continue to develop. Développement du malheur. If we continue to develop on this evil development. Je vis. I saw. Moi, Macanzo, je vis. Me, Macanzo, I saw. Je vis le rue vide. I saw empty streets. Ce n'était pas le confinement que nous vivons là. It was not the lockdown that we are going through now. Mais j'ai vu le désastre. But I saw disaster. Je répète. I repeat. J'ai vu le désastre. I saw disaster. Et j'ai vu la guerre. And I saw war. Et la guerre. Come on now. Priez. Pray. Priez pour les autorités. Pray for the authority. Afin que Dieu leur donne la sagesse. So that God may give them wisdom. Sur les décisions qu'ils prennent. Recording the decision that they take. Car il y a des décisions qui conduisent. Porque hay decisiones. Dans la chute. Because there are decisions that lead you into your fall. Que conducen hacia la caída. Quand Hitler avait pris sa décision de faire la guerre. Took his decision to go into war. Cuando Hitler tomó la decisión de hacer la guerra, je regardais un documentaire. I watched a documentary. Miré un documentario. À la guerre de 14-18, Hitler était là. During the war of 14-18, Hitler was there. Durante la Primera Guerra Mundial, il était jeune. Hitler estaba. He was very young. Très jeune. Joven, very young. Muy joven. Personne ne savait que ce jeune homme là va provoquer une guerre qui va coûter des vies humaines dans peu de temps. Nobody knew that this young man would provoke a war that would cost a lot of human beings.
in a period of time. Jovencito iba a provocar una guerra que iba quand il a essayé de prendre le pouvoir après la Première Guerre mondiale, when he tried il a été arrêté. C'est ce que j'ai vu dans le documentaire. When he tried to take il a fait la prison. After the First War, he was arrested. Après la prison, after the prison, il est sorti de cette pression. He came out of that pressure. Et c'était son tour de faire la pression. It was for him to set the pressure again. Si vous ne priez pas pour vos autorités, if you do not pray for your authority, vous ne savez pas quels sont les esprits qui les animent. You don't know what type of spirit that is controlling them. Espíritus que los dirigen. Vous comprenez? Do you know what I'm talking about? ¿Entienden? Hallelujah. You're talking man of God. Tout se passe dans le domaine spirituel. I'm in the spirit tout se passe realm dans le domaine spirituel. Everything happening in todo the spirit realm. Je dis bien tout se passe dans le domaine spirituel. I said everything happening in the spirit realm. Let us continue. Continuemos. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Parce que Israël avait fait des choses qui déplaient à Dieu. Because Israel did things that God did not like. Israel había hecho cosas que no agradaban a Dios. Le Dieu de cieux n'est pas seulement le Dieu d'Israël que vous connaissez. God of heaven is not only the God of Israel that you know. El Dios de los cielos no solo es el Dios de Israel. Si Dieu peut faire de la sorte à son peuple qu'il appelle mon peuple. If God can do that to his people that he called his own people. Si Dios puede hacer tal cosa a su pueblo. Et combien plus au reste du monde? How much more to the rest of the world? ¿Cuánto más podría hacer al resto del mundo? Hein? Yes. Vous voyez que Dieu a vieilli? C'est ça que beaucoup de gens croient, quoi. Hein? Notre Dieu a vieilli. Do le créateur de ceux et la terre age? Ne s'occupe pas des affaires des humains. Il est tellement loin. He's so far, he do not take care of the business of a human being. Que está tan lejos que no se preocupa por lo que pasa. Laisse-moi te dire une chose. Let me tell you something. Il est près de toi. He's close to you. Il est plus près de toi. He's more closer to you. Il est comme l'air que tu respires. He's just like the air that you breathe. Es como el aire. Et chaque fois tu respires, in any time that you breathe, tu le respires. You breathe him. Parce qu'il est omniprésent. Because he's omnipresent. Même les méchants le respirent. Even the evil one breathe him. Aun los malos lo respiran. Mais on peut beau condamner quelqu'un parce qu'il me fait du mal. We can condemn somebody because he's hurting you. Se puede condenar a una persona a causa del mal que hace. Est-ce que toi-même tu te regardes? But have you looking at yourself? Est-ce que tu te regardes? Do you look at yourself? Israël pouvait condamner les ennemis. Israel could condemn the enemy. Israël querría condenar. Mais s'ils étaient tombés à cet état-là, parce qu'ils ont fait des choses qui déplaient à Dieu. But if they fell so low because they did something that displeased God. Pero si habían caído tan bajo era a causa de todas estas cosas que no eran agradables a Dios. Le monde a se joué devant Dieu. The world have fell before God. On a assez joué. We play around before dans les God. Boîtes de nuit. We play in the club. El mundo ya ha jugado bastante ante los ojos de Dios. Les grands DJ même ici. Les grands DJ se rappelaient de son travail. The great DJ remember his work. Et Dieu regarde. And God is watching. Y Dios está mirando. Vraiment. Really. Moi je cherche quelqu'un qui va me rendre la gloire. Vous là-bas de tweet. I'm looking for somebody to bring me a glory. You there, you are doing this. Busco una persona que va a darme la gloria. Dis à ton prochain, ok, attends. Tell the neighbor, all right, wait. Attends seulement. Wait only. Dis à ton prochain, bye. Ta fête là sera changée en deuil. Your party will be changed into
tu fiesta se convertirá en duelo. Sans Dieu, without God. Sans Dieu, without God. Tout ce que nous possédons, everything that we possess, devient un piège. We became a trap. Se convierte en trampa. Si tu obtiens beaucoup d'argent, tu reçois beaucoup d'argent sans Dieu. If you receive a lot of money without God, c'est un piège. Mucho dinero, it is a trap. Es una trampa. C'est le cercueil. It is a coven. Es un ataúd. C'est le. It is a casket. Es el ataúd. Je travaillais dans une entreprise où les patrons avaient plus de 500 ouvriers. I was working in a company where the boss had 500 workers. Plus de 500. More than 500 workers. Et moi, j'étais là parmi les ouvriers. I was there among the workers. Y formaba parte de esos obreros. J'étais J.P. McCanso parmi les ouvriers de cet homme. I was J.P. McCanso among the workers of this man. Avec l'œil qui voit. With the eyes that see. J'étais là. I was there. Avec l'oreille qui entend. I was with the ear that hears. Comme preuve. As a proof. Je travaillais avec un collègue. I was working with a colleague. Je lui ai dit, I told him, c'était à 6h du matin, on avait commencé. It was 6 o'clock in the morning we started the work. Je lui ai dit, aujourd'hui, I said, today, tu recevras une bonne nouvelle. You will receive a good news. Le collègue me regarde. The colleague look at me. Il s'appelle Hussein, c'est un musulman. His name is Hussein, he was a Muslim guy. Un Marocain. Hussein. A Moroccan guy. Je lui ai dit, tu auras une bonne nouvelle toi aujourd'hui. I said to him, you will have a good news today. Il me regarde. He looked at me. Il dit, quelle bonne nouvelle. Which good news? Je lui ai dit, attends, I said, wait a minute. À 10h, l'heure de la pause. 10 o'clock at the break time. Je veux le voir. I came to see him. J'ai dit, tu as une bonne nouvelle. I said, you have a good news. Il a failli me donner un coup. He nearly punched me. Quelqu'un dit dimension spirituelle. Somebody say spiritual dimension. Il me dit moi. He said me. Je crois que c'est toi qui as provoqué ça. J'ai dit j'ai provoqué quoi? I think you are the one who provoked it. Il dit ma femme vient de faire un accident. He said my wife did an accident. Elle est enceinte. She's pregnant. Elle vient d'avoir un accident. She just had an accident. Moi je dis Seigneur. Me myself I said Lord. Je me pensaba oh Seigneur. Qu'est-ce que je me suis cherché? What did I look for myself? Moi, je lui disais que tu auras une bonne nouvelle. I said you will have a good news. Et là, and now, c'est l'accident. It's accident. Seigneur Jésus. Mais l'oreille que tu m'as donnée là, peut-être il faut régler ça encore. The ear that you are giving to me, you need to work on it. Quelqu'un dit règle. Somebody règle ton oreille. Work on my ear. Que alguien diga arregla tu. Si j'avais bien entendu. Yes, I heard it well. Parce que l'oreille spirituelle, because the spiritual ear, doit être accompagnée de la connaissance. Oh my God, need to be followed with knowledge. Tiene que ser acompañado por el conocimiento. Tout d'un coup, Dieu me donne la sagesse. Suddenly, God gave me a wisdom. Il me dit, va lui poser la question. So go and ask him a question. Si sa femme a été blessée. If the woman was hurt. J'ai dit, ok. I said, all right. Tu veux frapper? You want to beat me? Parce que je te donne la bonne nouvelle. Because I give you the good news. Ta femme est enceinte, non? Your wife is pregnant. Tu esposa está embarazada. Mais oui, tu sais, je t'avais dit non. He said, you know, I told you. Elle dit, ok. I said, all right. Tu aurais aimé entendre qu'il est blessé? Ou qu'il est à l'hôpital et que l'enfant est touché, tu aurais aimé entendre ça? Would have you liked to hear that your child is wounded or your wife is wounded? Would you like that? Il me regarde. He look at me. Je lui dis, je lui pose encore la question. And I ask him a question again. Le fait que tu as entendu, ta femme a eu un accident. Because you have heard that your wife had an accident. Elle n'a rien. But she have nothing. Ni elle, ni l'enfant dans les ventres. Not her, not the child in the belly. It's not a good news. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il est venu m'embrasser. Il dit, ah! Il dit, toi là, tu es fort, j'ai dit au moins. Voilà. He came and kissed me. He said, you are powerful. Alléluia. La mauvaise nouvelle a été changée en bonne nouvelle. The bad news was changed into good news. Alléluia. Praise the Lord. La noticia fue cambiada en buena noticia. Mais c'est dans la même entreprise. It is in the same business company. Je vois la fin du patron. I saw the end of my boss.
había visto el mais c'est pas tout là quand il venait. This part was when he was coming. Il passait, saluait tout le monde. He was coming to greet everybody. Il parlait avec tout le monde. He was talking to everybody. Mais arrivé chez les jeunes africains. But coming to the African guy, il passait à côté. He was passing by. Mais moi, je travaille dans ton entreprise. Me, I'm working in your company. Je fais entrer l'argent là. I make money to come in. Considère-moi comme tout le monde. Consider me like everyone. Considérame como a los otros. Oh, c'est moi qui va recevoir la révélation de sa fin de vie. And it's me that will receive the revelation of the end of his life. Y fue yo quien recibí la revelación de su come muerte. On come on, talk to me, il avait beaucoup d'argent. Il a fait prise en Belgique, une autre en Hollande, une autre en Angleterre. He had a company in Belgium, in Holland, in England. Mais ce jour-là, but this day, pas loin de Kortrijk ici, no far from Kortrijk, il a raté la sortie. He missed his il way. Il a touché le poteau. He hit the fire. Fire. Fin de vie. End of life. Mais j'avais dit ça à ma femme. Je dis, son temps est fini. And I said it, his time was over. Lo había dicho a mi esposa, se acabó su tiempo. Parce que je vois le feu, je vois un feu, je vois une voiture en feu. Because I'm seeing a car on fire. Porque estoy viendo un vehículo en fuego. Vous savez, les hommes, you know, human being, quand ils ont hombres, une position donnée, when they have a certain level in life, ils se croient être puissants, forts, intelligents. They think being strong and intelligent. Se creen fuertes, et ils ne pensent jamais à la mort. And they never think about that. Hitler n'a jamais pensé à la mort. Hitler never think about that. C'est la raison pour laquelle il a disparu même. That's the reason why he disappeared. Y por esta misma razón desapareció. Tu es trop jeune, tu es petit comme ça. Tu veux devenir grand. You are too young, you are small, you want to be great. Eres joven, pequeño y quieres hacerte grande. Parce qu'on t'a donné un poste. Because they have given you a certain position. Te han dado una posición, un puesto. À cause de cet argent que tu as. Because of the money that you carry. A causa del dinero que tienes. Pourquoi les gens ne réfléchissent pas? Why people does not think about? ¿Por qué no piensa la gente? Pourquoi les humains ne réfléchissent pas? Why human beings are not thinking about? ¿Por qué no piensa lo, piensa tous ceux qui disaient autrefois la France nous appartient sont où aujourd'hui? All those people that were saying the other day France belong to us, where are they? Mais regardez au moins les documentaires. But please watch the documentary. Vous avez des vidéos? You have a video out there. Je regardais la guerre de 14-18. I was watching the war of 14-18. Il y avait des immeubles ici en France. They were building in France. La France était construite. France was built completely. Il y avait des gens qui travaillaient, des ouvriers, des agriculteurs. Je le regardais. They were workers. Ils étaient ici dans people cette here. They were working. Ils ont vécu comme nous aussi. And they live like we. Ils parlaient aussi comme nous. They were speaking like we. Où sont-ils partis? Where are they gone to? Dis à ton prochain. Tell your neighbor. Tu passeras toi aussi. You will pass away as well. Dis à ton prochain. Alléluia. Le temps también pasará. Dis-le lui. Tell your neighbor. Dis-le. Dis-lui malgré tes économies que tu fais là. Despite your economy. C'est chaud. Dis à ton projet, tu es tellement radin que tu ne donnes à personne, tu passeras. Even though you are greedy, you will pass away. Hein? Quand on a l'argent là, on oublie que la mort existe. When we have money, we forget that death exists. Cuando una persona tiene dinero, se olvida de la muerte. La Bible dit le dernier ennemi c'est la mort. The Bible says the last enemy is the death. Pero la Biblia dice que el tu peux dominer tout le monde, tu peux vaincre tout le monde. You can control everybody, you can lead everybody. Mais laisse-moi te dire. Todo el mundo. Le dernier ennemi qui va se présenter devant toi. The last enemy that will appear before you. Tu ne pourras l'éviter, mon frère. You cannot escape from him. Est-ce que je te parle, même? Oh, you are talking to me. Même si tu dis, je ne l'écoute pas, il m'énerve, je ne veux pas le. Tu vas m'entendre. Even though you say, I don't want to listen to you, I don't want to listen to you. No quieres oír. You will hear me. No quieres escucharte. Vas a oír.
Alléluia. Amen. Même si tu ne veux pas, tu fermes les yeux, tu vas me voir devant toi. Even même quand you tu vas don't fermer want, les yeux. You close your eyes, you will see me. D'ailleurs, je viendrai dans ton rêve. I will even come in your dream. Oh my God. Mon Dieu. Non, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Some people don't know who. Je viens, je suis capable d'entrer dans ton rêve. I'm able to enter your dream. Par la puissance du Saint. Through the power of the Holy Spirit. Pour le poder de. Raya Batache. Vous êtes là, beaucoup. Vous avez vu, vous m'avez vu dans vos rêves. Vous êtes nombreux. You are here, you have seen me, your dream. You are. Non, c'est-à-dire que même si tu ne veux pas me donner ton oreille, even you don't want to give me your ear, parce que cette vérité te dérange. Because this truth is disturbing. Même si tu es homme politique, even though you are political, je viendrai dans ta chambre. I will come in your room. Tu me verras. You will see me. Pendant deux secondes, je disparais. I will disappear. Come on now. Durante dos segundos, voy a desaparecer. Si nous ne faisons pas ça, if we do, don't ou si l'Esprit de Dieu ne fait pas ça, if the Spirit of God does not do that, il n'y aura pas la crainte de Dieu. There will not be a fear of God. Bien-aimé, beloved, détrompez-vous. Do not be deceived. Personne ne peut s'égaler à Dieu. Nobody can equal to God. Même si vous êtes élevé par les hommes, even though you are elevated, mais mon Dieu est capable de vous rabaisser. My God is able to pull you down. Mi Dios es capaz de rebajarte. Il vous rabaissera. Laisse-moi te dire, il te rabaissera. Il te rabaissera. La Bible dit, il prend de la poussière les pauvres. Il les élève. Mais il prend les orgueilleux. Il les rabaisse. Il les rabaisse. Même si tu refuses de me donner ton oreille, even, tu donneras ton oreille dans le rêve. Even though you refuse to give me your ear, but in the dream you will give me your ear. Ce que je dis ne passera pas. Je sais ce que je dis. What I'm saying will not pass you by. Je suis l'instrument qui a été envoyé en Europe dans ce temps précis pour confondre les puissances de ce monde. I am the vessel that was sent in Europe in this particular time to confirm. The wise of this world. Je sais qui je suis. Je ne me suis pas improvisé. Je connais celui qui habite en moi. Je connais la puissance qui habite en moi. Je suis venu dans ce temps précis pour confondre la puissance de ce monde. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Abara Shakataha. Shakata, in the mighty name of Jesus Christ. Go ahead and preach, men of God. Israel. Israel. Dieu cherche sa gloire. God is looking for his France. Glory. France. Dieu cherche sa gloire. God is looking for Europe. His glory. Europe. Dieu cherche sa gloire. God is looking for même his glory. Si vous refusez de l'entendre, even though you deny vous l'entendrez. You will hear it. Car très bientôt, because very soon, il enverra le feu. He will send il dévastera l'Europe. L'Europe ne sera plus comme avant. Will not be que like vous le vouliez ou non, whether you want l'Europe ne sera plus comme Europe avant. C'est fini. It's over. Dieu veut sa gloire. God wants his que vous le vouliez ou non, vous devez rendre gloire à Dieu. You need to give il veut sa gloire. He wants his glory. Il veut sa gloire. Il veut sa gloire. Il veut sa gloire. Il veut sa gloire. Marachéta. Mabore. Maradaka Shahanamana. Ne me tuez même pas, ça sert à rien. Ça sert à rien de me tuer. It doesn't mean anything to kill me. Et ne m'arrêtez pas, ça sert à rien. Do not arrest me. Parce qu'ils ont arrêté Nelson Mandela et fini président. They arrested Nelson Mandela and finished by being president. Si vous m'arrêtez, je deviendrai encore plus grand. If you arrest me, I will become a president. My God. Si vous me tuez, je deviens immortel. If you kill me, I become immortal. Si me matan, me hará in
Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous humilier devant Dieu et de lui dire pardonne-nous. Nous croyons que tu es le créateur de ciel et oh, yes, de la terre. Everything that we need to do is to humble ourselves to say God forgive us. You are the creator of heaven and earth. Solo tenemos que humillarnos ante Dios y decirle que creemos que él es creador, el creador de los cielos y la tierra. I always say, j'avais 4 ou 5 ans. I was 4 or 5 years. Moi, J.P. McKenzie. J.P. McKenzie. Je ne savais pas. I didn't know. No sabía. Qu'il y a une Europe qui existe. There is a Europe that exists. À cet âge-là, l'Europe ne me disait rien. On ne me parlait pas Europe de l'Europe. Does not mean anything to me. Mais je savais but I knew que la race des Européens existe. That the race of Europeans exists. La raza europea. Et chez nous, on les appelait Mindele. And in my country, we call them Mindele. En mi país, llamamos a los on n'appelait pas blanc. We don't call white. Ça, c'est l'Europe qui appelle blanc. That's the European that call white. Mais la race blanche n'existe pas. The white race does not exist. C'est l'orgueil. It is a pride. Comment tu peux te nommer blanc? How can you call yourself white? Alors que tu n'es pas blanc. While you are not white. La couleur blanche, c'est ça. This white. Oh, il a poché. C'est de l'orgueil. It is a pride. Es orgullo. Comment tu peux appeler l'autre noir? How can you call other black? Comment puedes llamar al otro negro? Black. Alors que noir, c'est là là. Black, this is the black right there. Eso es el color. God, you are talking. Ça c'est le diable. That is the devil. Eso es el diablo. Pour diviser le monde. To set apart the world. Para dividir el mundo. Mais vous ne savez pas que vous êtes tous les fils d'un même père. Oh yes, don't you know that you are the son and daughter of the same father? Hein? Quelqu'un vient dans votre maison. Somebody came in your house. Et te dit tu es différent de ton frère. He said you are different of your brother. Tu es meilleur que ton frère. You are better than your brother. Et toi tu acceptes. And you accept. Mais il vous a divisé. Tu l'acceptes. Il vous a divisé. He have divided you. Esta persona les ha dividido. That's what I mean. C'est pourquoi Jésus va dire. That's what Jesus Christ will say. Que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. He said the great among you become your servant. Que el mayor entre ustedes sea el servidor. Blanc noir, ça vient d'où? Black and white, where did that come from? Blanco y negro, de ils ont fait aussi une chanson avec ça. Black and white, black and white. Quel black and white? And they make a song with that. Black and white. What black and white? C'est lui qui a fait ça, il a fini où? The one who did it, he finished where? Il n'a qu'à aller répondre là-bas. Sa chanson qu'il a fait là. He have to answer about the song he sing. Avec des danses avec des morts comme ça. Tu vois, il danse avec les morts. Things with dead people. La canción, c'est pourquoi la mort t'a pris. That's why dead carried you. Por à l'âge de 4 ou 5 ans. Age of 4 and 5 years. Je me suis vu en Europe. I saw myself in Europe. Me había visto en Europa. Avec des frères européens. With European brothers. Con hermanos europeos. Dans une conférence de pasteurs. J'avais 4 ou 5 ans. Pastors meeting. En una conferencia de pastores. Il y a un livre qui va sortir. There's a book that is coming tout out. Est dedans. Everything is in there. Tu n'as pas entendu ça. Put your hands together. Ceux qui vont lire ces livres seront bénis. Those that will read that book will. En lisant seulement, il y aura des délivrances, des guérisons. By reading only, there will be deliverance and healing powerful. À leer el libro, algunos van a recibir la liberación. Après la conférence, je conduisais un frère pasteur. Je l'ai mis derrière le scooter meeting, et je le conduisais pour déposer chez lui. I was driving with European brother. Oh. I needed to drop him. Y después de la conferencia había traído a un hermano. Sur mon lit, je faisais comme ça. En mi scooter. On my bed, I was doing like this. Y hacía este movimiento en. Ah, c'était pas un rêve. It was not a dream. No era. C'était une réalité. It was a reality. Era una realidad. Dont le temps était fixé. Where the time was appointed. Cuyo tiempo era fijado. Cela veut dire que cet enfant là est né avec une mission. That means that child is born with a mission. Quand je dis à ma mère le rêve que j'ai vu, je fais ce matin là, ma mère va me dire, ma mère qui n'a pas étudié où? When I say to my mother the dream I had, he would tell me this. Mais elle me dit, tu iras en Europe. He said you will go to Europe. Pour prêcher la bonne nouvelle. To preach the good news. Hallelujah. Je suis où là? Oh, je fais quoi? Hallelujah. Hallelujah.
Je disais. I was saying. Decía. Je sais que je ne pourrais pas terminer ça aujourd'hui, mais je I le know, disais. I cannot finish it today. I was saying. Que tu es né avec puissance. You are born with power. Naciste con poder. Mais tu ne sais pas. But you don't know. Parce que jusque là personne ne t'a raconté le phénomène qui sont passés à ta naissance. And because until today nobody explained to you the things that took place by your birth. Porque hasta hoy nadie te ha contado lo que les phénomènes qui se sont déroulés à ta naissance. The things that happened during your birth. Lo que ocurrió ta mère n'avait pas compris cela non plus. Your mother did not understand that anyway. Tampoco lo había entendido tu mamá. Elle ne pouvait saisir ce qu'elle voyait. She could not discern what she was seeing. No podía entender et pourtant, lo que veía. Elle a raconté à ton père. But she explained to your father. Mais ton père aussi ne pouvait saisir ce qui s'est passé. Your father could not discern what happened. Pero tampoco tu comme le deux n'avait pas connaissance de phénomènes qui viennent de se dérouler, because ils ne peuvent t'expliquer non plus parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas compris. Two of them didn't know the phenomenon that took place, they cannot explain because they do not understand. Ambos no entendieron lo que había ocurrido. C'est la raison pour laquelle la prophétie existe. That's the reason why the prophecy exists. Y por eso existe la profecía. Et avec les grâces prophétiques, je peux aller à ta naissance. Come on. Je suis en train de décortiquer ta naissance pour préparer ton avenir, un avenir meilleur. With a prophetic Greek gift, I can go to your birth and reveal and tell you your better future. Pero gracias a las gracias proféticas puedo ir hacia tu nacimiento para explicarte lo que había pasado y darte un futuro mejor. Quelqu'un dit Somebody say Que alguien diga Come on, ça commence. Si je fais ça, c'est que la prophétie est en train de couler. Oscar, tu n'as pas entendu ça. Quelqu'un, tu n'as pas entendu ça. Faut prier Dieu que les confinements là, les confusions là, tout ça passe. You need to pray to God all this lockdown may pass away. Un enseignement comme ça nécessite des démonstrations de la puissance de Dieu. Oh yes, man of God. This teaching like this, it need a demonstration of the power of God. Porque tal enseñanza necesita una demostración del poder de Dios. C'est pour ouvrir votre entendement. It is to open up your understanding. Es para abrir su entendimiento. C'est pour vous amener dans une autre dimension de connaissance. It is to carry you in another dimension of knowledge. Para llevarles a otra dimensión. J'étais à la douche. I was at the corner. J'ai vu quelqu'un apparaître devant moi. I was in the toilet. I saw somebody appearing before me. J'étais bébé spirituel. I was a spiritual baby. Et la personne faisait des gestes comme ça. Je pouvais pas and voir the sa tête. Was speaking with signs. I could not understand what he was talking about. Il était tellement grand. He was too big. Mais il faisait des gestes comme le geste de sourd-muet là. And he was doing sign like a deaf and dumb. Je lui ai posé la question. I asked him a question. J'ai dit, pourquoi tu fais tous ces gestes? I said to him, why are you doing all these signs? Pourquoi te mueves así? Il va me dire. And he would tell me. Je fais ces signes. I'm doing those signs afin que vous compreniez mon langage. So that you may understand my language. Si je ne fais pas ces signes, if I do not do those signs, vous ne pourrez comprendre mon langage. You cannot understand my language. Come on, men of God. Ustedes no podrán entender mi lenguaje. Comme j'étais bébé spirituel. Because I was a spiritual baby. Je n'avais pas compris non plus. I did not understand anyway. Tampoco lo había entendido. Je suis allé voir mon pasteur tout de suite. And I went to see my pastor after then. J'ai dit pasteur. Pastor, regarde ce que je vois. See what I'm seeing. J'étais à la douche. Look, I was in the toilet. Un homme est apparu devant moi. A man appeared before me. Il était tellement grand. It was too tall. C'était pas un rêve. It was not a dream. No era un sueño. Comme ça. Physically. En realidad. Arracha camarada. Toi, tu as peur de quoi? What are you scared of? De ces gens-là qui ont un début et une fin. Of those people that have a beginning and that have an end. Qui n'ont que la bouche pour parler. That only have a mouth to speak. Que solo tienen una boca para hablar. Cherche Dieu. Look after God. Busca sera Dios. Fortifié. You will be strengthened. Mon pasteur me dira ce jour-là, il s'est mis même à rire et dit, oh, mais c'est écrit dans la Bible.
My pastor will begin to laugh at me. Say, it's written in the Bible. Et ces dias, elle passe. Mon pasteur. Il est écrit. Il accompagne ses paroles par des signes et des miracles. It is written. He follows his word by signs and wonders. S'il n'y a pas de signes, if there's no sign, la parole est morte. The word is dead. La palabra está muerta. C'est pourquoi chaque fois que je prêche la parole de Dieu, that's the reason why anytime I preach the word of God, cada vez que predico la palabra, je sais que derrière cette parole il y a des signes, prodiges et miracles. I know behind this word there are signs, wonders and miracles. Yo sé que detrás hay milagros, maravillas y señales. Parce que je ne me suis pas envoyé. Because I did not send myself. Porque c'est la no confiance que j'ai, c'est tout. It is a c'est pas de l'orgueil, c'est la confiance. I have a trust. C'est la confiance. I have a trust. Se trae confianza. Qui est malade ici? Who is sick? Qui est malade? Who is sick? Está enfermo aquí. Si tu es malade, tu lèves la main. If you are sick, you lift up your hand. Si estás enfermo, levanta la mano. Frère, tu brother, souffres de quoi? What are you suffering of? De qué sufres? Plusieurs. Oui. Ça a commencé comment? Je dirais que depuis décembre 2019, j'ai du mal à respirer. Donc du avant même le Covid. Uh-huh. Et tant au niveau du nez qu'au niveau des bronches. Et j'ai des douleurs au talon et j'ai des douleurs dans tout le corps. Dans tout le corps. Ouais. J'ai eu une sévère tendinite à l'épaule et il y a toujours des séquelles. Ok. Et j'ai grandi trop vite, donc j'ai les articulations... sensible. Tu peux te lever. Can you stand up? Puedes levantarte. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Oh yeah, plus près de toi, Seigneur. Oh yeah. Et toi. Si Dieu ne le guérit pas, if God did not heal him, si Dieu ne le sana, il sera limité dans sa connaissance de Dieu. He will be limited in his knowledge of God. Sera limitado en su conocimiento de Dios. Mais si Dieu le guérit, but maintenant, if God heal him now, pero si Dios le sana ahora, il va grandir dans la connaissance. He will grow in the knowledge. Va crecer en el conocimiento. Cela va créer en lui la confiance en Dieu. That will create a trust in God. Va vous comprenez? Créer la confianza en Dios. Et quand un autre problème viendra se présenter devant lui, when another problem will come before him, y cuando se presentará otro problema, il se souviendra automatiquement de ce Dieu qui l'avait guéri. Autrefois. He will remember automatically of this God that healed him another day. Automaticamente se acordará de este Dios que le había sanado antes. C'est pourquoi quand David se présenta devant Goliath. That's the reason why when David presented himself before Goliath. Por eso cuando David se presentó pour vaincre Goliath. To conquer Goliath. Para vencer a Goliath. Il se souvenit des lions et de l'ours qu'il avait. He remembered the lion and the wolf that he killed before. Se acordó de los leones y de los osos que había matado. Donc, le défi de Goliath, the challenge of Goliath, el desafío de Goliath, était moindre, était rien par rapport au défi qu'il avait face. It was less a lion ou l'ours. It was lesser than the challenge that he had by killing the lion and the wolf. No era nada comparado con los las luchas contra los osos. Il ne connaissait pas encore la force de lion ni de l'ours. He didn't know the strength of the lion and the wolf. No conocía la fuerza del león. Mais il l'a vaincu. But he conquered them. Pero les venció. Parce que l'huile était sur lui. Because there were oil upon his head. Come on now. Porque el aceite. Il s'est souvenu de la victoire que l'huile lui avait donnée face à lion. He remembered the victory that oil gave to him to work against the lion. S'accordó de la. Je pense que ce jour-là, quand tu l'as raconté, quand il avait fait face à ce lion. I believe the day he faced the lion.
ou à l'ours. Or the wolf. Y creo que este día cuando ces jours-là, il pouvait dire c'est fini pour moi. The beer. That day. Il y a des choses qui se présentent devant vous. And there are things that present themselves before you. Vous regardez à gauche. You look at left. Vous regardez à droite. You look at the right. À la derecha. Il n'y a pas d'issue de secours. There is no way out. Et vous vous dites. And you say to yourself. Je me jette. I throw myself in. Je me jette où? I throw myself where? À la mort. To death. Vous avancez. You go forward. Tout en sachant. By knowing. Que c'est fini pour that vous. That is over for you. Mais arrivez là. But by coming there. L'ange de Dieu vient vous secourir. The angel of God came to your rescue. Come on. Et quand vous allez traverser cette épreuve-là, when you go through that, c'est fini. That tryout, it's over. Vous êtes revêtu de confiance. You are covered up with the trust. Vous êtes revêtu de la connaissance you de Dieu. Covered up with the knowledge ce of God. Jour-là, that day, vous allez comprendre you will qu'il y a un être invisible you will understand that qui veille sur vous. That is alors vous ne craindrez plus rien. You will not fear anything anymore. Ce jour-là, that day, et ce dia, vous, votre esprit deviendra opérationnel dans le domaine spirituel. Your spirit will become operational in the spirit realm. Vous vous mettrez à parler avec les invisibles sans les voir. You will begin to speak with the unseen without seeing them. Parce que vous vous direz, because we say to yourself, si il s'est apparu pour me délivrer de lion. If he appeared to set me free from the lion. Porque David se decía si él había aparecido. Comme Daniel dans la fosse au lion. Like Daniel in the pit of lion. Tal como Daniel. C'était sa première expérience. It was his first experience. Je pense. I believe. Quand on le jetait dans la fosse au lion. When they were throwing him in the pit. Il se disait. Je meurs, Seigneur. He said, Lord, I will die. Je meurs. He said, Lord, parce que j'étais obéi. I will die because I obeyed. Donc je vais entrer au ciel. Then I will go to heaven. Arrivé là-bas. But by coming there, le lion lui tourne le dos. The lion turned his back to him. Oh. He said, ah, lion. Lion. Tu pars. You are going. Tu me laisses. You leaving me alone. Hey. He said, hey. 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 Pas toi. Oh. No, you. Oh my God, quelle révélation! Alléluia! Et quand après avoir connu cette expérience, after knowing that experience, et después de tener esa experiencia, Daniel va commencer à dire. Daniel will begin to say, c'est vrai. It is true. Le Dieu que je sais, the God that I serve, est vivant. Is alive. My God, my Redeemer, liberate. Dieu a fait tellement de choses avec moi. God have done so many things with me. J'étais sans papier. I was without stay. Bon, en Europe, être sans papier. In Europe, being without stay. Hein? Tener papeles. Même les chiens morts est respecté. Even a dead dog is respected. Les chiens ont leurs hôpitaux. The dogs have their own hospital. Ils sont respectés. They are respected. Ils ont leurs petits lits. They have their small beds. Mais les sans-papiers. But if you don't have a paper, n'est pas respecté. Pendant que je parle, la guérison entre là-bas. Well, I'm speaking. Restez seulement debout. Mientras vous êtes recevant votre sanidad. Vous n'avez pas besoin de tomber pour comprendre que vous êtes guéri. You don't need to fall to understand that you are healed. While I'm speaking, you are being healed. Écoutez-moi seulement. Now listen to me. Alors, then, je suis parti faire la délivrance d'un frère marocain. I went to perform a deliverance upon a Moroccan brother. Fue a hacer la liberación de un hermano de Marruecos. Il a attrapé la folie. Il avait attrapé la folie. He had a madness. Se había vuelto loco. J'arrive là. I arrived there. Cuando llegué, dans son appartement. In his apartment, avec un autre frère, with another brother of me, con otro hermano, qui jouait la batterie à l'église, that was playing drums in the church, que tocaba la batería. On s'est mis à prier pour le frère marocain. We began to pray for this Moroccan brother. Nos pusimos a orar por este hermano. Pour la première fois de ma vie, for the first time in my life, por la primera vez de où j'ai senti le feu descendre. When sur ma tête. I felt a fire coming upon my head. Senti un fuego descendre. Et je sentais ce feu qui m'enveloppait comme un manteau. And I was feeling this fire that was coming upon me like a mantle. C'était pour la première fois. It was for the first time. Et je disais à moi-même. And I was saying to myself, c'est quoi ça? What is this? Quelle expérience? What type of experience is this? Quel tipo de experiencia?
Oh, quelques minutes après. Few minutes later. Al cabo de les voisins minutos, ont déjà appelé la police, nous on savait pas. The neighbors already called the police, we didn't know. Los vecinos habían llamado a la policía. La police va entrer. And the police will enter. Entre la policía. La porte était à moitié ouverte. La police entre. The door was half open. La puerta era media abierta y entró la policía. Qu'est-ce que vous faites ici? What are you doing here? ¿Qué hacen ustedes aquí? Je regarde dans la fenêtre. C'est comme s'il y avait des terroristes là. Watch at the window like there are terrorists. Pour deux personnes, plein de voitures de police. Por la ventana y for two people, si there was a lot of car, police car. Muchos vehículos de policía. I said, what is going on? Vos papiers d'identité. Your identity card. Aujourd'hui, on demande plus les papiers d'identité. Today, they don't ask for identity cards again. Maintenant, on demande les tests de COVID. Now, they are asking the COVID test. Mais à cette époque, là, c'était les papiers d'identité. But those days, it was the identity card. Pero en aquella época, se trataba de los papeles d'identité. Même quand tu viens à la frontière, là, en voiture, même pas permis de conduire, on ne demande pas. They don't ask the ils n'en ont plus besoin. They don't need it again, c'est the test license. De COVID. Incluso al llegar COVID a la frontera, papiers, ya no se pide qui te permet de te déplacer. Paper that allow you to move. J'ai dit, te permite moverte. J'ai pris seulement ma Bible. J'ai donné I la took my Bible and I gave to them. J'étais sans papier. I was without stay. Vous pouvez même dire 1000 papiers quoi. You can even say 1000 paper. J'ai donné ma Bible. I give my Bible. Dis mi Biblia. La police me regarde dit, monsieur. And the policeman look at me say, sir. Me miro la policía diciendo, vous moquez de moi. Señor. Are you mocking me? J'ai dit non, monsieur. I said, sir, no, no, sir. Ça, c'est mes papiers. Vous avez demandé papier, non? These are my paper. You asked me a paper. Ça, c'est mes papiers. Those are my stays. En fait, je n'ai pas fait ça exprès. C'était comme ça. C'était venu comme ça. I didn't do it expressly. It just non. came like that. Non, Dieu fait des choses. C'était venu comme ça. It just came j'ai like pensé that. Même pas. I didn't j'ai donné. I gave. Lo hice sin pensármelo. Oh, c'est ma vraie carte d'identité, c'est la Bible. Hey, hey, hey! My real ID is the Bible. Mi verdadera identidad es la Biblia. Il a pris, le frère a donné sa carte, il avait, parce que lui il en avait. On nous dit, allez, suivez-nous. La police devant, they took the, nous derrière. The ID of my brother, they said, follow us. Avant de connaître Christ. Avant de connaître Christ. Before I know Christ. Chaque fois, quand la police m'a arrêté, anytime when the police stopped me, c'était menotté. En fait, Christo, on me menotté. They have to chain me. Allez, on me poussait comme ça devant. They were pushing me front. Mais avec Christ, with Christ, on m'arrête. They arrest me. La police devant, police moi derrière. Me pas de menotté. No chains. Pero esta vez la policía caminaba adelante y yo atrás sin esposas. C'est la connaissance. It is the knowledge. Je ne savais pas que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. I didn't know if les somebody is in Christ, sont, became a new creation. Toutes choses deviennent. All things become new. Je deviens prince. I become creation. A prince. Me he convertido en un príncipe. J'arrive à la porte de la voiture. I la portière came to de la the door of the car. C'est à la police coche, qui ouvre la portière. It's a policeman that opened the door. Comme un prince. Like la a porta, prince. Je monte. Comme un prince. And I enter. Il ferme. He closed. Je commence à chanter. I began to sing. Je n'ai pas fait exprès. I didn't do it. C'était venu comme ça. It just came. Je chantais. I was singing. Il n'y a point de Dieu comme no hay Dios Jésus. Como Jesús. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh yeah, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Alléluia, il n'y a point oh, de Dieu comme Jésus. La police me regarde et dit, tu crois au ciel? The policeman look at me. Do you believe you are in heaven? Je lui ai dit oui, monsieur. I said yes, sir. Vous l'avez dit. I said you said it. C'est vous qui l'avez dit. You are the one who said. Je suis au ciel. I'm in heaven. Estoy en los cielos. Arrivé au commissariat. By coming to the office. On me présente à leur chef qui était là. And they present me their chief. Avec le frère, on était. Me presentaron el jefe. Le chef demande.
The chief asked, c'est quoi? What is going on? Ils ont commencé à parler en néerlandais. Ils ne voulaient pas que j'entende. Et le chef va leur dire. And the chief will tell them. Avec un ton élevé, comme s'il était fâché. With a hard tone, like he was angry. En voz alta, como si fuera enfadado. Vous ne savez pas que vous venez d'arrêter un pasteur ou un évangéliste. Don't you know that you have arrested a pastor or an evangelist? No saben ustedes que acaban de detener a un pastor o un evangelista. Et le policier répond, même s'il est pasteur évangéliste, on s'en fout, il n'a qu'à nous donner ses papiers. And the police answer, even though he's an evangelist or pastor, he has to give us his stay. Il y a des expériences que vous allez connaître dans la vie pour vous ouvrir votre intelligence. There are experiences you will go through in life is to open your intelligence. Van a vivir experiencias en su vida que va a abrir su entendimiento. Vous commencez à saisir les langages de l'Esprit de Dieu et marcher selon l'Esprit de Dieu. So that you may begin to understand the language of the Spirit of God and walk according it. Para que puedan entender el lenguaje espiritual de Dios y comiencen a caminar según él. Grâce à cette crise qui frappe le monde, plusieurs grandiront, deviendront puissants et grands dans les domaines spirituels. Because of this crisis, many of you will grow spiritually. Gracias a esta crisis, muchos van a hacerse fuertes, grandes y van a crecer. Sans la crise, je ne peux pas te connaître réellement ce que tu es. You cannot find out who you are really. No puedes conocerte. Sans le fer, without the iron, tu ne pourras mesurer ta force. You cannot measure your strength. Si tu veux mesurer la force, if you want to measure your strength, va au fitness. Go to fitness home. Prends le fer. Take the iron. Commence à soulever. And begin to tu vas comprendre de quoi tu es capable. You understand what God is capable. Así sabrás de qué eres capaz. Hallelujah. Amen. Quand une souffrance arrive dans ta direction, when a suffering came in your direction, comprends. Cuando vives un sufrimiento, understand. Entienda. Qu'on veut te mesurer. They want to measure you. Que debes de ser medido. Hallelujah. That's right. On me demande le nom, je donne mon nom. Je donne. You ask me, I give my name. Ma date de naissance. I give my date of birth. Mais l'adresse, j'en ai pas, puisque je suis sans papier ou 1000 papiers. But the address I don't have is because I'm 100 papers, 1000 papers. Porque no tenía papeles. Alors qu'est-ce que je vais faire? What should I do? Le frère dit, mais donne-leur l'adresse de l'église. And the brother said, give them the address of the church. El hermano me aconsejó. Le temps de réfléchir pour donner l'adresse de l'église. Time to think about and give the address of the. La dame qui prenait les noms, elle est partie chercher à l'ordinateur. And the woman that was taking names, he went to check. Pour vérifier. In the computer. Quelques minutes après, elle ressort. Few time later, she came. Después de algunos minutos. Elle va nous dire. Se volvó. Ils sont en règle. She will tell us they are okay. Même moi. Diciendo que todo estaba bien. Moi, les 1000 papiers. Je suis en règle. Je me suis posé la question. En règle. I asked myself, c'est seulement frère ou moi aussi? Is it a brother or me too? Elle habla de mi hermano. Le policier qui était dit, vous pouvez partir. And the police that were there said, "You can go." Moi, je crois qu'il disait au frère là-bas, parce que moi, je voyais seulement l'Afrique. J'ai dit, là, c'est l'avion. Après, I seen Africa. I said, "Oh, it's a plane," and then boom, Africa. Je ne pensais même pas que je veux sortir de là. I didn't even think that I could come out. Je disais, je serai expulsé parce que j'ai annoncé l'Évangile. Merci Jésus. I said, I was sent back because I preached the gospel. Me pensaba que iba a ser expulsado por haber predicado el evangelio gracias a Jesús. L'onction arrive dans la vie de quelqu'un. Amen. The anointing is coming in the life of somebody. L'onction arrive dans ta vie maintenant. Anointing is coming in your life right now. La unción está llegando en tu vida. Le frère dit, avec toi aussi, on dit qu'on doit partir. Vraiment? Mais si on part, comme me donne ma Bible. Say, let's go. When if j'ai dit we are going, let him give me my Bible. Donne-moi ma Bible alors. Then I said to the gentleman, give me my Bible. Il m'a remis ma Bible. He gave me my Bible. Ça, c'est la puissance, frère. Mais la Dieu, c'est la puissance. Es el poder, that's the power, brother. Ça, c'est la puissance. That's the power. Es el poder. C'est la puissance. That's the power. C'est la puissance. That's the power. C'est la puissance. It's the power. C'est la puissance. It's the power.
C'est la puissance. Is the power. Et c'est le poder. Jordan, c'est la puissance. Jordan, that's the power. Faut faire quelque chose, Jordan, c'est la puissance. Jordan, c'est le poder. Jordan, c'est la puissance. You need to do something. C'est la puissance. Is the power. C'est le poder. Ce frère sera guéri maintenant même. Este hermano será sanado. This brother will be healed right now. Ce frère sera. This brother will be healed right now. Le Dieu qui était venu me faire sortir de ce commissariat de Bruxelles. God that came and brought me out of that commissariat. Il est dans cette salle. He's in this room. Il est dans cette salle. He's in this room. Il est dans cette salle. He's in this room. L'onction est en train de traverser sa tête, ses jambes, ses pieds, ses orteils. Rien ne sera plus comme avant. The anointing is going c'est through fini your à ta tête maintenant. The body, you know. Power! In the mighty name of Jesus Christ. Oh yes, 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 oh yes. Merci Seigneur. Yes, 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 yes. C'est lui qui m'a fait sortir de cette fosse au lion. Il va te faire sortir aujourd'hui de toute fosse où que tu te trouves. Quel que soit le lion où tu te trouves, quelle que soit la maladie qui te condamne, tu sortiras maintenant. The one that brought me out of the lion gate, he will bring me out. It doesn't matter the sickness, the affliction, you will come out now. Frère, viens. Come on. Va a sacarte del foso de la enfermedad. No importa tu enfermedad. Tu viens d'où, frère? Where are you from, brother? De dónde vienes, hermano? De Paris. De Paris. Tu es de Martinique. Je suis de Martinique. He's from Paris and he's originally from Martinique. Est-ce que tu imagines que l'esprit peut te secouer comme ça aujourd'hui ici? Pas du tout. Do you imagine that the Holy Ghost will shake you like this here? ¿Te habías imaginado ser sacudido así por el Espíritu Santo? Tu comprends que ta vie était bloquée dans le domaine spirituel. You understand that your life was blocked in the spirit realm. ¿Entiendes que tu vida era bloqueada en el mundo espiritual? Attends, attends. Quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ. Viens mettre tes pieds là, juste là, à côté de l'enveloppe là. Voilà, exactement. L'onction va monter. Ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Ça va monter, la puissance va monter. La puissance va monter. El poder está subiendo. Quand nous parlons de Jésus-Christ, les hommes croient que nous blaguons. Jésus est le seul Dieu. Je dis bien Jésus est le seul Dieu. Je répète, Jésus est le seul Dieu. Que vous le vouliez ou non. Regardez la puissance. Ça c'est la puissance. That's the power. Ça c'est la puissance. Ça c'est la puissance. Power, 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 power. Ça c'est la puissance. That's the power. Un grand homme comme ça va venir là pour blaguer. A big guy like this, we came here to play. Un homme tan grande. Si tu n'es pas guéri là, je ne sers pas le vrai Dieu. If you are not healed here, I'm not serving the real God. Tu dois être guéri, toi aussi qui me regardes. Où que tu sois, je viens vers toi. Je viens dans ta maison. Où que tu sois, je déclare ta guérison. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta liberté. Où que tu sois, by power of Holy Ghost. Jesus. Receive it. Rachatata. C'est fait. It is done. Jésus a guéri. Tout le corps est guéri. All your body is healed. Todo tu cuerpo es sanado. Lève-nous que je termine. Levantemos. Stand up. Para terminar. Pendant que Jésus guérissait ce frère. While Jesus Christ was healing this brother. You that are watching. La guérison arrive aussi dans ta vie. Healing is coming to your direction. C'est maintenant même. It is happening now. Lève tes deux mains. Lift up your two hands. Où que tu sois. Wherever you are. Que ta dimension spirituelle monte. May your dimension, spiritual dimension increase. Parce que tu as vu. Because you have seen. C'est ce que tu as vu. It is what you saw. Qui va ouvrir ton entendement. That will open your understanding. Qui va te faire comprendre. You
will make you understand. Que tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. You are not what men say you are. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. You are what God say you are. Come on. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. You are not what men say you are. Ce que Dieu dit que tu es. You are what God say you are. Il y a la puissance de Dieu. There is the power of God. Qui va traverser plusieurs. That will go through many people. Où que vous soyez. Wherever you are. Dans votre maison. In your house. Où que vous soyez. Wherever you are. Dans votre ville. In your city. Dans votre pays. In your country. Où que vous soyez. Wherever you are. Oh, je sers un Dieu vivant. I serve a living God. Je sers un Dieu vivant. I serve a living God. Je sers un Dieu vivant. I serve a living God. Aucune puissance de ténèbres. No power of darkness. Ne saura résister. Can be able to resist. À la puissance du Saint-Esprit. To the power of the Holy Spirit. Aucune puissance du mal. No power of evil. Ne saura résister. Can be able to resist. À la puissance du Saint-Esprit. To the power of the Holy Spirit. Pendant que je parle. While I'm speaking. La gloire de Dieu. The glory of God. Se dirige. Is coming. Dans ta direction. At your direction. Là où tu es. Where you are. La gloire de Dieu. The glory of God. C'est la puissance. Is the power. C'est la puissance. Is the power. C'est la puissance. Is the power. Take it. Quelqu'un reçoit la puissance. Somebody receive power. La guérison arrive dans ta direction. Healing is coming at your direction. La délivrance arrive dans ta direction. Deliverance is coming at your direction. Regarde à ton Dieu. Look at your God. Ne me regarde pas plus. Do not look at me. Jésus est invisible. Jesus Christ is unseen. Il est dans cette salle. But he's in this room. Il est invisible. He's unseen. C'est la puissance de Dieu. It's the power of God. Je ne suis pas responsable. I am not responsible. De ce qui se passe dans cette salle. What is happening now? Je ne serai pas responsable. And I will not be responsible. De ce qui se passe dans ta maison. Je ne suis pas responsable. I'm not responsible. Où que tu sois. Wherever you are. Reçois la puissance. Receive the power. Reçois la puissance. Receive the power. Reçois la puissance. Receive the power. Power! C'est la puissance de Dieu. It's the power of God. Puissance de Dieu. It's the power of God. Je ne suis pas responsable. I'm not responsible. Vous ne pourrez résister à cette you puissance. You cannot resist this power. Vous ne pourrez résister à cette puissance. You cannot resist it. Où que vous soyez. Wherever you are. La main du Dieu vivant. The hand of the living God. La main invisible. The unseen hand. Vous visite. In the name of Jesus. Où que vous soyez. Wherever you are. C'est la puissance. It is the power. 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 Les malades sont guéris. The sick are healed. Les captifs sont libérés. Aucune puissance de ténèbres. No power of darkness. Ne saura résister. Can't be able to resist. À la puissance qui agit dans cette salle. The power of this. In the name of Jesus. In Jesus name. Oh my God, my God, my God, mon Dieu, mon Dieu. My God, my God, my God, mon my God. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rechata baka shaka. Rochekete ra ba ba ba. Rochekete ra ba ba. Rochekete ra ba ba. Rochekete ra ba ba. La puissance de Dieu est en train de traverser la France. The power of God is going through France. La puissance de Dieu est en train de traverser l'Europe. It's going through Europe. La puissance de Dieu. The power of God. Arrive en Afrique. It's coming to Africa. La puissance de Dieu. The power of God. Arrive en Amérique. It's coming to America. La puissance de Dieu. The power of God. Traverse l'Asie. It's going to Asia. Traverse la Chine. Going to China. Traverse la Corée. Going to Korea. La puissance de Dieu vivant. The power of God. Le Créateur. My father, mon père, my father, mon père, my father, mon père, my father, mon père, c'est la puissance, power, c'est la puissance, is the power, c'est la puissance, is the power, c'est la puissance, is the power, dans ta maison, in your house, la puissance de Dieu traverse, the power of God is going through, où que tu sois, wherever you are, je suis mandaté, I'm mandated, pour t'annoncer la bonne nouvelle, to announce the good news, la bonne nouvelle. The good news de Jésus, of Jesus Christ, Nazareth, of Nazareth, il est arrivé dans ta maison. C'est la puissance. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. C'est la puissance. C'est la puissance. Is the power. 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 Où que tu sois. Wherever you are. Où que tu sois. Wherever you are. La main de l'Éternel. The hand of the Lord. Te visite. Is visiting you. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. That is the power.
Rebocheta. Yes, yes, yes. Reteke bolobotea. Roshata kaya babo. Roshata kaya babo. Roshekete rababa. Roshata. Roshekete rababa. Roshata. 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 Remanda bata. Roboshekete. Roshekete. Roshekete. Raboboshe. Roshata. Roshekeha. Roshata. Retahanana. Roshata. Rikobobobata. Roshata. Roshekete. Roshete. Rendereba. Roshekete. Roshekete. Roshete. Que les chaînes tombent. Mais les chaînes font. Que les chaînes tombent. Mais les chaînes font. Je dis que les chaînes tombent. Les chaînes font. Les chaînes de captivité. Les chaînes de captivité. Les chaînes de méchanceté. Les chaînes de méchanceté. J'ordonne que ça te quitte. In the name of Jesus. 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 Roshekete. 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 Roboshekete. Roshekete. Roshekete. Roboshekete. Roshekete. 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 Roboshekete. Roshekete. Roshekete. Reçois la visitation. Receive the visitation. Yeah. Maintenant. Ahora. Reçois la visitation. Reçois la visitation. Receive the visitation. Reçois la visitation divine. Receive the divine. 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 Receive the divine. In the name of Jesus. No. Check it. Recibanlo. Reba Shanta. Fire of Holy Ghost. Fire of Holy Ghost. Le feu du Saint-Esprit. 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 Fire. Fuego. La France a besoin de cette puissance. France need this power. Les Français ont besoin de cette puissance. France people need this power. L'Europe a besoin de cette puissance. Europe need this power. Pour se libérer des chaînes de Satan. Set free from the chains of Satan. Cette puissance. Receive this power. Recevez cette puissance. Receive this power. Recevez cette puissance. Receive the power. Recevez cette puissance. Receive the power. Où que vous soyez. Wherever you are. Take it. Receive it. Rachatabaka. That is the power. Ça, c'est la puissance de Dieu. La France est visitée. The France is visited. La France est visitée. France is visited. Le géant de l'Europe est tombé. The giant of the Europe are falling. By the power of Holy Ghost. Par la puissance du Saint-Esprit. Le géant de l'Europe est tombé. Par la puissance du Saint-Esprit. By the power of the Holy Spirit. Le gène. Recevez la puissance. Receive power. Que la jeunesse de la France. Receive power. Reçoit la puissance. May the youth la receive power. La jeunesse de l'Europe. Recevez la puissance. Receive the power. 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 La Bible dit. The Bible says. Dans les derniers jours. In the last days. Je répandrai de mon esprit. I will pour my spirit. Sur toute chair. Upon every flesh. Je répandrai de mon esprit. I will pour my spirit. Sur toute chair. Upon every flesh. Vos fils. Your daughter. Et vos filles. Your sons and daughters. Prophétiseront. We prophesy. Recevez. Receive it. L'onction prophétique. Receive it. Recevez. Receive the prophetic anointing. Rochekete bababa. Rochekete. Rochekete bababa. Rochata kaba. Rochete tete tete. Rochete tete. Rochata tata. Rochete. Rochata tata. Rochata tata. Rochata tata.
j'étais. Il est le même. Elle est dans un soin palliatif. Elle ne savait pas marcher comme ça. Non, il fait des petits pas des fois, mais non. Pas comme ça. Non. Et là, maintenant, elle marche. Les médecins, ils ont dit qu'elle attend seulement sa mort, c'est ça. The doctor said that she's waiting for her death. C'est fait. Now Jesus have done it. Retournez vous-même dans votre. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ici? Allez-y. Bon, acclame. Il est le même. Une fois. Second time, you kill him one time. Et il est descendu dans les régions inférieures de la terre. And he have go down to the. Trois jours après. Three days later. Il est sorti vivant. He came out alive. Il est sorti vivant. He came out alive. Il est sorti vivant. Il est sorti vivant. Vous ne le tuerez plus deux fois. You will not kill him. Il est mort une seule fois. He died one time. My God. Shakatara, Shakatara, Baba Bush. Jésus, l'agneau de Dieu, il est le même.
qui acclame Jésus. Quelqu'un acclame à Jésus. Donne-lui le papier. Quelqu'un dit merci Seigneur. Est-ce que ton esprit est réveillé? Did your spirit have wake up right now? Si ton esprit est réveillé, have your spirit wake up right now? Tu vas commencer à gravir les niveaux. Then you will begin to grow, climb the level. Tu vas commencer à grandir. You will begin to grow dans le spirituel. In the spiritual, tu vas commencer à appeler à l'existence. You will begin to call to existence. Des choses dont les hommes ne voient pas. Things that men cannot see. My God, est-ce que tu peux acclamer pour cela? My good God, glory to God. Thank you, Jesus Christ. What a powerful God we serve. Je bénis Dieu bless God pour ce temps de crise. For this time of crisis. C'est un meilleur moment. It is a wonderful moment. C'est un moment favorable pour nous de marquer notre époque. For us to mark our season. Para marcar nuestra época. Quelqu'un dit je vais marquer mon époque. Somebody say I want to mark my season. Que alguien diga quiero marcar mi época. Quelqu'un dit je vais marquer mon époque. Somebody say I want to mark my season. Lève-toi. Asseyez-vous. Siéntense. Vous avez vu quand l'Esprit de Dieu se manifeste, comment il fait? Il fait. See when the Spirit of God manifests, what happened? Han visto lo que pasa cuando se manifiesta el Espíritu de Dios. Oh. Asseyez-vous. Ne faites pas les bruits. Sin ruido, por favor. Ne faites pas les bruits. Stop. Sit down. Do not make a noise. Stop. Sois derrière elle. Regarde-moi, ne tombe pas, regarde. Look at me, don't fall. Mirame. Regarde-moi. Je vois dans ton estomac, dans ton ventre. Assis your stomach. Je peux voir l'intérieur de ton estomac. I can see inside of your stomach. Puedo ver el interior de tu estómago. Le diable, the devil, el diablo, a détruit ton intérieur. Have destroyed your inside. A destruido. Mais Jésus Christ, but Jesus Christ, come est on, est en train de restaurer ton intérieur. He's restoring your inside right now. Take it. Receive it. Now. Ahora. That's the power. Rashata. Hallelujah. My God. Lève-toi, la Bible dit. Rise up, say the Bible. Sois éclairé. Be enlightened. Car ta lumière arrive. Because your light is coming. Personne ne t'arrêtera. Nobody will stop you. Si tu es en Christ, if you are in Christ, personne ne t'arrêtera. Nobody will stop you. Même le séjour de mort, even the kingdom of death, se prosternera devant toi. Bow down before you. Come on. Come on. Jésus a vaincu le séjour des morts. Jesus Christ conquered the kingdom of death. Jésus a vaincu la mort. I say Jesus conquered the kingdom of death. La muerte. My God, you are talking about God. Mais il arrive. He's coming. Pero ocurre. Que l'homme ne comprend toujours pas. It's happened that men cannot understand still. Malgré tous les signes que Dieu fait. Despite all the signs that God is operating here. A pesar de todas las señales. Madame. Woman. Señora. Il y a la guérison qui arrive dans la vie de cette personne qui est dans la healing photo. That is coming towards this person right here. Je vois la guérison qui arrive dans la vie de cette personne. I'm seeing healing coming towards this person right here. Jésus guérit cette dame. Jesus is healing this woman right here. Elle est qui pour toi? Ma sœur. Who is her? C'est ta sœur. For you. It's my sister. Elle est entre la vie et la mort. Elle est entre la vie et la mort. She's between life and death. My God. Entre la mort et la vie. C'est le cancer. C'est le cancer. It's a cancer. À cause du cancer. Your time Jésus has come. Visite cette dame. Jesus is visiting this woman. Dieu est bon. Lève-toi.
Rise up, woman. Your time has come. Tes entrailles ont été détruites. Your womb was destroyed. Tes entrailles. Le diable a détruit tes entrailles. The devil have destroyed your womb. El diablo ha ton ventre. L'intérieur. Inside of your belly. Complètement is completely destroyed. Mais Jésus Christ. But Jesus Christ. Aujourd'hui. Today. Il est venu réparer. He have come to repair. Il y a la puissance de Dieu. With the power of God. Qui répare tes entrailles. That is repairing your belly right now. A restaurar tus entrañas. Tu souffres de quoi là? What are you suffering? Des choses qui marchent partout dans mon corps. Il y a des choses qui marchent. There are things moving in our body all over the place. Ça marche comme des bêtes, je peux plus. J'ai fait tous les examens, y a rien. Tu as combien d'enfants? How many children do you have? 4 enfants. Ils ont quel âge? She have 4 children. Il y en a 18 ans et 4 ans, 8 ans, 6 ans et 3 ans. Catherine. Catherine, quelque chose dans ce genre. Je sais dans mon corps. Catherine. Oui. Où es-tu? Cathy. Toi, c'est Cathy. C'est pas Catherine. C'est Cathy. Je vois un problème dans ton sein droit. I'm seeing a problem in your right breast. Your right breast. C'est comme il y a un kyste à l'intérieur. It's like a kyste in there. Veo como un kyste. Une bulle à l'intérieur. There's a growth in there. Veo una burbuja. Là où tu es. Where you are. Donde quiera que estés. Tu mets seulement ta main dans ton sein. You lay your hand on your breast. Pon tu mano sobre tu pecho. Avant que je termine avec elle. Before I finish with her. Antes de que termine. Disparaît. You will see that the growth have disappeared. Verás esa masa desaparecer. Cette masse va disparaître. That growth will disappear. La masa va desaparecer. Masse va disparaître. Je parle de maintenant, pas après. I'm talking about now, not after. Hablo de ahora. C'est ta sœur. It's your sister. Jésus est en train de guérir ta sœur maintenant même. Jesus Christ is healing your sister right now. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Oh, rendons gloire à Jésus par nos acclamations. Glory to God. Catherine, Cathy, où que tu sois, Catherine, Cathy, peu importe, reçois ta grâce maintenant même. Catherine, Cathy, wherever you are, receive your grace right now. Catherine, donde quiera que estés, recibe tu gracia ahora mismo. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Receive the grace, reçois la grâce, receive it. Reçois la grâce, receive it. Reçois la grâce, receive it. La grâce est arrivée vers toi, ma fille. The grace have come towards you, my daughter. La grâce de Dieu est arrivée vers toi, maintenant. The grace of God have come towards you. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Reçois cette grâce. Receive the grace. Ta vie ne sera plus jamais la même chose. Your life will never be the same again. À partir de maintenant. From today on. Les chaînes sont tombées, maintenant. The chains are broken right now. Les chaînes tombent. So the chains are broken. Yes. Reçois cette grâce. Recibe esta gracia. C'est extraordinaire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Es extraordinario. Gracias Jesús. Gracias Señor. C'est fait. Quelqu'un acclame le Seigneur. Va, ces choses ne vont plus te tourmenter.
That thing will never torment you again. Jésus est bon. Cosas ya no te tormentarán. Jesus is good for you. Jesús es bueno. C'est ta fille. It's your daughter. Avec son mari. With the husband. Donne-moi cette photo. Se trata de tu hija con su esposo. Dame la foto. Tu boites. Pourquoi tu boites? Why are you limping? J'ai la trousse vitale. Correas, porque lumbar. Lumbar. She have a problem in her backbone. Un problema lombario. Dieu vient en aide. OK? Va aider ta fille. Amen. God is coming to your rescue. His men will help you. Va aider ce couple. Okay. God will help this couple. Va aider ce couple. Amen. God will help this couple. Jesus Christ. Je chasse un esprit méchant que je vois ici. I cast out the evil spirit that I'm seeing right there on the picture. Je vois un esprit très méchant. I can see his evil spirit, very evil. Qui prend l'alcool? C'est mon fils. C'est ton fils là? Non, non. Lui, il prend beaucoup d'alcool. Who is taking alcohol? Is my son, the son that is on the picture. C'est un esprit très méchant. It is a very evil spirit. Es un espíritu muy malo. L'alcool quitte. Alcohol, leave this boy in Jesus' name. Déjale. Son temps est arrivé. My God. Que Dieu restaure ce couple en trouble. May God restore this couple in trouble. En trouble. There's a trouble. Ce couple est en trouble. Esta pareja tiene problemas. Jesus. Jesus. You are wonderful, Lord. You are wonderful. Guéris ce couple, Seigneur. Heal this couple, Lord. Deliver them. Heal them. Sanales. Jesus. 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 Thank you. Merci. Madame, donnez-moi la chaise, mettez. Give me the chair. Stand here. Dame la silla. Comme ça. Assieds-toi. Allez. Tu souffres. C'est des douleurs. Pourquoi on va voir ça? C'est quoi ça? C'est des douleurs de la tête jusqu'au niveau des pieds. Et j'ai un pied. Un pied long. Oui, pain from the head to the spine until tu as des semelles. To the legs. Enlève les semelles. Souffre fibromyalgia. Tiene dolores desde la cabeza. Libre de toi, Seigneur. Libre de toi, Seigneur. Mets-le comme ça, tourne. Libre de toi. Oh yeah. Libre. Donne-moi les semelles là. Libre de toi. Non, laisse. Ah oui, mets les chaussures. Mets les chaussures. Oh, libre-toi, Seigneur. Oh, yeah, libre-toi, Seigneur. Oh, yeah, libre. Ça fait combien de temps que ça dure? Depuis 2005. Depuis 2005. Soulève les jambes. Cette jambe est longue, tu savais? Oui. Tu savais ça? C'est celle-là qui est longue. Cette jambe est courte. Oui. Et c'est ça qui provoque la douleur. Exactement. Les médecins t'ont dit ça? Oui. OK. Et pourquoi ils n'ont pas rajouté alors la jambe? Ils sont scientifiques, non? Ils sont des dieux. On les considère comme des dieux. Oh, les scientifiques ont dit, allez, distanciation 400 mètres, 400 mètres. Maintenant, la maladie ne finit toujours pas.
malgré les distances. Distanciation, 400 meters, 400 meters. The sickness is still there. Malgré les distanciations. Despite the distanciation. Les maladies ne finissent toujours pas. The sickness is not finishing. Malgré les masques. Despite the mask. Les maladies toujours là. The sickness is still there. Alors pourquoi nous portons les masques alors? Why are we wearing the mask? Bon, on obéit. No, we obey them. Faut obéir. La Bible dit obéissez aux autorités. The Bible says obey to the authority. La Bible dit obedezcan a las autoridades. Madame, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas entendu ça. Quelqu'un acclame. I have a good news for you, woman. Je suis pour rien. I am for nothing. Moi là, je suis pour rien. Me, I am for nothing. Incapable de guérir ne fût-ce que le mot de tête. Unable to heal a simple headache. Moi-même, quand j'ai un mot de tête là, je prends d'afalgan et feralgan, tout ce qui se termine par gang, 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 gang. Me myself, if I have a headache, I take dafalgan, ifralgan, all those things that finish by gang. Mais ici, but here, ici là, here, j'ai confiance. I have a celui-là. Madame, oui, c'est cette jambe qui est longue, hein? Oui. Bon, qu'elle soit droite, voilà, comme ça. Voilà. C'est bon. Ah, c'est ça. Oh yeah. Lui près de toi, Seigneur. Et de toi, Seigneur Jésus-Christ. Et près de toi. That is the power. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est le pouvoir. That is the power. I don't know. Je ne sais pas comment c'est fait. Moi, j'ai chanté. Regardez. Did you know how it happened? Oh, tu n'as pas entendu. Acclame pour Jésus. Plus. Madame, moi, j'ai chanté. Je n'ai même pas ordonné. Woman, I was singing. I didn't even command. Regarde-moi, reste là. On a dit distanciation. T'as oublié, hein? Il faut pas m'embrasser, c'est distanciation. Don't kiss me, don't embrace me, it's distanciation. Distanciation sociale. Malgré les distanciations, la puissance va arriver là où tu es. Despite the distanciation, power will come right where you are. La puissance sociale, el poder llegará hacia ti. S'il n'y a plus de puissance, nous jetons les Bibles. If there's no more power, we throw away our Bibles. De la même manière que Dieu t'a guéri. Jésus t'a guéri. Tu crois? Oui, je crois. Tu vois la chose, le changement? Exactement. Tiens. Le changement. Va dire à ton fils, là, le col est parti. Merci, amen, oh papa. God. Si tu acclames, tu reçois ton miracle. Tiens, un témoignage. Dis-le, il faut regarder là-bas. Moi, je suis pour rien. D'accord. En septembre dernier, j'étais venue ici. Bon, j'ai l'arthrose cervicale, lombaire et dans les deux genoux. J'ai pris des médicaments, la cortisone, des injections partout, ça n'allait pas. Et en septembre dernier, je suis venue, papa m'a localisée et je ne sais pas comment j'étais tombée. Et après, au retour, papa m'a dit d'enlever la Minerve. Et je ne savais pas que j'avais la Minerve, je cherchais partout. C'était au cité des échanges là-bas. Oui. Hein? Oui. C'était là-bas. Oui. Ah, je me rappelle. Oui. Tu portais le machin là. Exactement. Donc, et après, je le cherchais, mais j'ai. Depuis 2010, je portais la Minerve. Depuis 2010, tu portais cette chose-là. Oui. Depuis 2010 à 2020. Hein? Ah. Et vous n'acclamez pas. Oh. Avant. Maintenant, tu as guéri complètement. Oui, le coup, j'ai. Complètement. Tu ne pouvais pas faire ça avant. Oh, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. De 2010 à 2020, elle portait ce protège-là. Ah. Pareil pour les.
tous les deux genoux, le dos et puis la tête aussi. Waouh. Donc toi, Jésus t'aime, hein? Beaucoup, beaucoup, papa. Je reviens de très loin. Hein? J'ai été opérée à toi. Tu me fais peur. Jésus t'aime comme ça? Beaucoup. Qui es-tu alors? Je suis la fille de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Jésus l'aime. Mais toi, tu peux dormir tranquille dans ce... en disant merci Jésus, tu dors. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. The angel of the Lord is camping around. Je peux le servir. Vas-y, serre-le. Tu habites où? À Nice. À Nice. Ok. Tu peux le servir, tu sais comment? Non. Commence par intercéder pour ce ministère. D'accord. Oui, je fais. Tu fais je, ça? Oui, je distribue votre... Alléluia. Même si tu es à Nice là-bas, oui, tu es le disciple de ACC. Amen, 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 amen. Okay? Amen, papa. Tu vas donner ton nom à Cassia. Tu vois Cassia qui est derrière là-bas? Tu lui donnes ton nom. D'accord. Tout à l'heure. D'accord, et papa. L'adresse. D'accord. Tout ça. D'accord, papa. Tu es admis et rassemblé. Amen, amen. Quelle grâce. Que Dieu te bénisse. Quelle grâce. Acclamons le Seigneur. Ah, j'aurais aimé t'embrasser. Hein. Regardez. Je pas. Tu n'avais pas fait ça. Pas. Aïe, 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 aïe. Oh, look at that. Tu n'arrivais pas à faire ça. Elle n'arrivait pas à faire ça. Oh, ya, 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 ya. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Mon Seigneur, ça c'est la preuve de sa guérison. Oui, c'est ça. Non, en fait, c'est les maladies que j'avais. Les maladies que oui, tu avais. Oui. C'est disparu. Oui. Va montrer là-bas à l'opérateur. J'avais envoyé. À l'opérateur là-bas. Merci. Ça c'est puissant. Merci. Oh, nous avons besoin de témoignages comme ça. Non? Acclamez le Seigneur, asseyez-vous. Que Dieu aide mes frères européens. May God help my European et mes sœurs européennes. Et mes sisters, European sisters. Parce qu'à force d'entendre les philosophies des hommes, by hearing the philosophy of men, on devient aveugle. We become blind. Et on ne sait plus saisir les choses de la foi. And we cannot catch the thing of the faith again. Et nous ne sommes capables de capter les choses de la foi. On nous a vraiment embobiné en Europe. Hein. They are carried us alone in Europe. Bon. Scanner cérébral et thoraco abdominaux pelvien. Indication. Antécédent des carcinomes, c'est ça? Hiro-hélial. Hein, il y a des noms. Hein? Des vessies localisées traitées par la chimiothérapie puis radiothérapie. Technique avec injection de 110 millilitres, c'est ça? Hey, 110 millilitres, c'est comment là? Résultat, comparativement avec les scanners du 6 octobre 2020, crâne, absence de syndrome de masse. C'est qui? C'est toi? Comment? Il y avait une masse où? Dans le crâne? Oui. Dans la tête? Oui, en effet, c'est pas pour la tête, hein, je suis venue. C'est un cancer de la vessie.
C'est un cancer de la vessie. Oui, de la vessie en 2019. En novembre 2019, j'étais là. Eh bien, les médecins... En quel mois? Novembre 2019. Novembre 2019. 2019. Donc, avant le confinement confiné. Oui. Before the lockdown. Avant le cauchemar 2020. Before the nightmare 2020. Toi, tu étais venu me voir. Oui. Où ça? À Lille. Oui, à Lille, à Roubaix. À la faubourg de Roubaix, là-bas. De Roubaix, oui. Et tu avais le cancer de vessie. Oui, de la vessie. De la vessie. Oui. Mais normalement, c'est en 2018, j'ai senti un symptôme. On m'a dit, j'allais voir mon médecin traitant, il m'a dit, voilà, il m'a donné, j'ai expliqué, il m'a donné des examens à faire. Il m'a dit que, voilà, quand je ramène les examens, les scanners et tout, il m'a dit que, voilà, j'ai rien. J'ai rien et j'ai toujours senti les symptômes. En 2000, ben, j'arrête puisque le médecin a dit, j'ai rien et je sens toujours les symptômes. En 2019, voilà, ça commence à dégrader. J'ai allé le voir, m'a donné voilà, un examen à faire, une échographie. J'ai fait l'échographie, j'ai apporté l'échographie au médecin. C'est là, il m'a dit que j'ai une boule dans ma vessie. C'est en 2019, là? Oui, ça, c'est en 2019. Ben oui, quand il a dit, là, j'ai une boule, mais j'ai dit, mais un médecin, mais en 2018, vous me dites, il n'y a rien dans ma vessie, et maintenant, j'ai une boule dans ma vessie. Et après, il m'a dit, voilà, il faut que je voie un urologue. J'ai allé voir l'urologue. Ben, l'urologue, il m'a fait un fibro. Après, il m'a dit que, voilà, madame, vous avez et votre vessie est aggravée, il faut que je l'opère pour enlever la vessie. J'ai dit, non, docteur, je n'enlève pas ma vessie. Je ne veux pas, parce que je suis chrétienne, je sers à Dieu. Et si on enlève la vessie, qu'est-ce qui arrive? Oui. Hein? Oui, qui va dire? C'est le sonde. Oui, il va mettre un cendre. Ah! Oui. Il voulait te laisser à cet état-là, quoi. Oui. My God. J'ai dit non, docteur, je veux pas. Et puis bon, après, je suis partie à l'hôpital Saint-Louis. Il me commence à faire des chimio. Ben voilà. Après, je fais une révélation, je vois qu'il y a un ange hein, qui passe à côté de moi. Et puis, voilà, il m'a regardé comme ça. Et puis, il a pris mon sac qui était sous mon dos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Fatigués, eh bien, voilà. En bref, et comment tu nous as connus? Et puis après, j'ai regardé. Après, ben, je suis couché chez moi et puis j'ai regardé les YouTube. Hein, je regarde. Et puis après, je tombe sur vous. J'ai dit, mais c'est intéressant. Mais pendant que je suis en train de faire la chimio, je suis fatigué pendant que je fais la chimio. Et puis j'ai regardé, j'ai vu vous. Et puis j'ai dit c'est intéressant. J'ai regardé des 6 heures de l'après-midi jusqu'à demain matin. Wow. J'ai regardé la vidéo. J'ai dit il faut que j'ai parti à Lille. Je suis venu à Lille. C'est vrai, j'étais pas localisé, mais je me sens bien. Et après, j'ai allé voir les docteurs pour toujours la chimio. Et puis après, il m'a dit que voilà, il va me donner faire un scanner. Je suis partie faire les scanners. Ben, il m'a dit voilà, madame, où est l'ancien scanner? Je ne l'ai pas avec moi. Il était à Saint-Louis. J'ai envoyé mon fils aller chercher la réponse des premiers scanners. Après, c'est quand j'ai sorti chez vous, ici à la rue de Roubaix, voilà. Et puis, voilà, mon fils, il est parti.
mon fils est parti aller chercher et puis voilà, il est revenu avec, les résultats. Il regardait l'ancien et l'autre. Après, il a dit, voilà, madame, vous n'avez rien. J'ai dit, gloire à Dieu. Alléluia. Donne une grande acclamation à Jésus-Christ. Put your hands together for Jesus Christ. Si vous êtes dans la même situation que elle, if you are in the same situation as this woman, croyez, believe, crean, celui qui a fait en elle, the one that did it for her, elle qui a hecho por ella, il va faire la même chose en vous. It will do the same thing in you. También lo hará por usted. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Papa, j'ai un problème. J'ai ma fille, elle a 38 ans. Elle a jamais trouvé un mari. Regardez. Comme nous. Ouais. Quand Jésus t'avait guéri la première fois, tu m'avais. Non? Va, Jésus a fait. Jesus have done it. Elle est venue, elle a participé au culte. Moi, j'avais rien dit, mais she elle était guérie. She participated the service. C'est fait, madame, c'est fait. And she was healed. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le fais. It's not me that did it. C'est Jésus qui le fait. It's Jesus that is doing it. Es Jesús. Nous devons regarder à Jésus. We need to look at Jesus Christ. Tenemos que mirar hacia Jesús. Nous devons, c'est obligatoire. It's a must. It's mandatory. Tenemos que hacerlo. Es obligatorio. Si tu ne veux pas aussi, c'est ton droit. If you don't want, it's also your right. Si tu veux la main de Dieu, tu dois regarder à Jésus. If you want the hand of the Lord, you need to look at Jesus Christ. Pero si quieres ver la mano de Dios, tienes que mirar en su dirección. Ce n'est pas impossible. It is not impossible. No es imposible. Mais c'est possible. But it's possible. Es posible. Toutes ces paroles et les signes et les miracles que nous venons de vivre pour nous éclairer dans notre esprit. All these words and the signs and wonders that we see is to enlighten us in our spirit. Todas estas palabras, estos milagros, estas señales que hemos vivido. Demain je vais continuer. Aclarar, tomorrow I will continue. Dans Juge, nous sommes dans Juge. Mañana voy a continuar. We are in the book of Judges. Juge 6. Judges chapter 6. Juge veut dire quoi? What does Judges mean? La définition de Juge. What does that mean? What can quel est le travail du Juge? ¿Cuál es la definición? Hein? ¿Cuál es su trabajo? C'est rendre la justice. The judge have to give a justice. Tu deviendras juge. Es hacer you become justicia. A judge. Te convertirás. Tu ne dis pas mais. Jésus est grand. Ok. C'est la raison pour laquelle nous sommes combattus. That's the reason why we are fight against. Por eso somos combatidos. Les gens qui profitent de vous ne veulent pas de nous. People that misuse you, they don't want us. La gente que saca provecho de ustedes. Le jour où votre œil s'ouvrira, vous allez comprendre ceux-là qui profitent de votre misère. The day your eyes will open, you understand those that are taking advantage of your misery. Mais vous n'êtes pas fait pour vivre dans la misère. You are not made to live in misery. No están hechos para vivir en miseria. Votre souffrance vient de votre aveuglement. Your suffering came from your blindness. Su sufrimiento viene de la ceguera. Tout ce que tu gagnes, tu sais même pas combien tu as gagné. Everything that you gain, you don't even know how much you receive. On te prend tout. Take everything from you. Année après année, la situation continue. Year after year, the same situation going on. Año tras año, es la misma situación. Vous savez quoi? Du jour au lendemain, on nous ferme notre compte à la banque. Day after day, they close down our accounts in the bank. De repente han decidido cerrar la cuenta bancaria. On nous a fait ça déjà une fois, c'était à Crédit Agricole. They did to us was in credit bank called Crédit Agricole. Ya lo habían hecho una primera vez en la banca. Nous sommes partis à la Banque Nationale. We went to the National Bank. Fuimos a la Crédit Agricole n'avait pas donné de raison.
il y avait rien. Crédit Agricole did not give no reason, there was nothing. Crédit Agricole n'a pas. Il a dit seulement qu'ils avaient le droit de refuser qui voulait refuser. They just say they have a right to refuse whom they want to refuse. Donc ils nous ont refusé, and they refused us. On a accepté, and we accepted it. Nous sommes partis à la Banque Nationale selon le droit. And we went to the National Bank, la loi. Recording the law, the right that the law gives to us. La Banque de France va nous envoyer dans une autre banque de notre choix, c'était Caisse d'Épargne. And France Bank send us to another bank who is called Caisse d'Épargne. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Look what happened. Pendant un an, nous sommes à la Caisse d'Épargne. One year long, we are at the Caisse d'Épargne. La Caisse d'Épargne nous a demandé de comment ça s'appelle, de bilan. They asked us to bring our file. Nous avons donné le bilan des 4 ou 5 ans. We gave the file of 5 years. Donc tous les bilans. All the file of 5 years. Nous sommes vraiment très transparents à la banque. We are very transparent at the bank. Il n'y a pas de dépenses inutiles. There's no useless spending. Toutes nos dépenses sont justifiées. All the spends are justified. Todo es justificado. Ce sont les dépenses des choses de l'église. Those are the expenses of the thing of the church. Qui sont là. That is here. Tels que nous sommes là, nous avons commandé des grands écrans qui sont venus de la Chine de 4 mètres sur eux. As we are here, we have ordered a big screen, 2x4, big one. On attend seulement la fin des travaux de la nouvelle salle. We are waiting for the end of the work. Nous avons aussi commandé un autre écran de 2 mètres sur 2. Très grand. We also order a 2x2. Nous avons des instruments, comme vous voyez, toutes les dépenses sont justifiées. Toutes les dépenses. We have the instruments, like you see, all the expenses are justified. Tenemos materiales que justifican. Du jour au lendemain, on nous bloque le compte en disant que notre activité n'est pas légale. Day after day, they block our account by saying that our activity is not legal. Y de subito han bloqueado la cuenta diciendo que nuestra actividad no era legal. Ah. Bon, donnez-nous 60 jours afin que nous puissions trouver notre banque. Non, comme ça, sans délai, vous pouvez partir, prenez le chèque de votre argent, des 180 000 qui étaient dedans, allez, prenez 190 000, prenez, partez. They're supposed to give us 60 days time to find another bank. They say no. They give us a check. Say take your money and go wherever you want to go. Ni siquiera nos autorizaron los 60 días. C'est un préjudice. Hein? Et pourtant nous avons des travaux à faire. But we have a work to do. Nous avons des matériels à commander. We have a material to order. Nous avons une entreprise, des entreprises qui doivent faire les travaux à la salle. We have a companies now that have to perform work at the hall. On est coincé. Now we are blocked. Regardez comment le diable agit. See how the devil is manifesting. Je vous ai dit que ces démons humains sont dans toutes nos institutions. I told you that the human demons are in every institution. Les ai dit que estos demonios están en todos los niños del. Alors, nous sommes partis voir l'avocat. We went to see the lawyer. Fuimos a ver a un abogado. L'avocate. C'est une femme juive aussi. It's a Jewish woman. Elle regarde et dit, donnez-moi tous les dossiers que vous avez, donnez tout. He said, give me all the files that you have. Ella dijo, denme todos los documentos que poseen. Toutes les dépenses, donnez, je vais voir. Give me all the expense. Elle a regardé pendant 3 jours. Vous avez las she looked at it during 3 days. Elle a dit, je ne vois rien d'illégal. And she told us we haven't seen nothing illegal. Elle appelle la banque. She called the bank. C'est l'accueil qui le reçoit. It's a reception that receives her. Oh, tu ne peux pas parler au directeur. Il va te rappeler. Dit, mon appel est enregistré. Je vous ordonne de me passer le directeur maintenant. She said, I order you to give me the boss right now because I'm parce que recording. Si vous ne savez pas cette affaire, vous avez amené ça très loin. C'est comme si vous arrêtez une entreprise sans préavis et dans votre lettre, il n'y a rien. Elle va la dire, il n'y a rien qui montre que cette Asbel a commis des fautes. Je ne vois pas de fautes, ça fait 3 jours que je suis dans le dossier, je n'ai pas vu quelque chose d'illégal.
He said, "Is it really wrong now? I'm in this file. I never seen nothing disturbing." Comme il a menacé au téléphone, ils ont passé le directeur. They gave the director. Papa Norbert est où? Où est Papa Norbert? Où est Papa Norbert? Il y a un poisson de contact avec le directeur du banco. Qu'est-ce que le directeur va dire? What did the director say? Et que dit le directeur? Moi aussi, je ne sais rien de ce dossier. Me also, I don't know nothing about toi, le directeur de la banque. You, the director of the bank. Del banco. J'aurais aimé que Papa Norbert soit là afin qu'il nous explique bien. Parce que c'est lui. Vous voyez le niveau de combat que nous avons. You see the level of the battle we have. L'avocat va lui dire, il va lui dire, peut-être c'est leur foi qui vous dérange alors. The lawyer will say, maybe it's their faith that's disturbing. Vous n'aimez pas leur foi. You don't love their faith. Vous voyez, si. Ça ce n'est que le début du combat. Nous irons avec eux au tribunal. In Jesus' name. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je maudis cette entreprise-là. Maldigo esta empresa. Jésus avait maudit l'arbre parce que cet arbre n'avait pas de fruit à lui donner. Jesus cursed the tree because the tree have no fruit to give to him. Je maudis cette entreprise-là. I curse that business. Que cette entreprise-là qu'on appelle caisse d'épargne disparaisse de dessous le soleil. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils sauront faire du mal aux gens qui ne vous ont rien fait. Qu'est-ce que ça fait? They like to hurt people that have done nothing to them. Mais je sais d'où vient le problème. I know where the problem is coming from. Ils ne pourront pas le dire. They cannot say it. Je sais d'où vient le problème. I know where the problem is coming from. Pourquoi ils ne nous aiment pas? Why they do not love us? Ils ne nous aiment pas. Parce que nous disons la vérité. Because we are saying the truth. No gastamos porque decimos la verdad. Nous disons la vérité. Bon, vous êtes là, non? On a fait quoi de mauvais? What have we done here? Guérir les malades, c'est ce qu'on a fait de mauvais. Healing the sick, is that evil? ¿Sería esto? Les mensonges, c'est ça qui est bien, n'est-ce pas? It's the lies that is good. Mentir aux gens. Lying to people. Pour leur prendre tout ce qu'ils ont, c'est ça, les liens. Everything that belongs to them. Para tomar todo lo que tienen. Parce qu'ils ont la force de détruire les êtres humains, ils se croient tout permis. Because they have a power to destroy human beings, they think that they are allowed to do anything they want. Comment vous pouvez bloquer un compte sans raison? How can you block an account without reason? Alors qu'on n'est pas endetté chez vous. Well, we don't even have a debt. Au contraire, nous avons mis notre argent. But this, we have our money in your account. Alléluia. Papa Norbert, j'ai là. Dis-nous un peu, qu'est-ce que l'avocate a dit selon le... Donnez le micro, Papa Norbert. Ton masque est merveilleux, là. Alléluia. Bon, comme Papa l'a dit, on ne comprend pas bien. Donc, on a reçu un courrier un peu spécial. Et voilà, donc... Nous nous sommes rapprochés de la Banque de France qui nous a dit, qui nous a rappelé la procédure à suivre dans ce genre de situation, c'est-à-dire quand on vous clôture le compte. Et mais les motifs évoqués, c'est un peu compliqué à expliquer puisque la lettre n'est même pas motivée. Ils ont juste fait allusion à un article du Code monétaire et financier, mais ils n'ont pas motivé la lettre. Donc nous étions obligés de contacter un avocat qui a demandé beaucoup de pièces dans la semaine. J'ai fourni toutes ces pièces. Vraiment, il y en avait beaucoup à tel point. Il m'a dit, attention, mon mail doit être saturé. Arrêtez d'envoyer les documents. Et il a demandé au moins 4 jours pour les analyser. Donc, il a regardé tous les relevés. Il a vu le bilan. Il a vu d'autres pièces nous conformant à la réglementation. Il n'a rien compris. Il a parcouru l'acquisition qu'on a faite dernièrement.
Il a vu rien d'anormal. Il a vu que le fonctionnement du compte était normal. D'ailleurs, bien avant ça, j'ai été reçu par le conseiller qui était très étonné de la tenue du compte. Et le après, conseiller de la banque. De la banque. Voilà. Notre conseiller, il était très tenu. On a toujours eu de très bons rapports. Voilà, donc là, le conseiller est parti et on m'appelle pour me dire qu'on va fermer le compte. Et là, la raison évoquée dans la lettre, comme je disais, est bizarre. Alors là, l'avocate a rappelé la banque. Il a demandé à voir le responsable, le directeur. On a mis du temps pour l'avoir, mais finalement, le même jour, on l'a passé le directeur parce qu'il était en colère. Elle était en colère. Elle a dit, il ne trouve pas de raison. Il n'y a aucune raison qui justifie cette clôture. Voilà. Cette clôture. Et là, le directeur, il était embêté. Il a dit, lui-même, il ne connaît pas. Mais il lui a posé la question, mais c'est vous le directeur de l'agence ou vous êtes... Il a dit, c'est moi le directeur. Et vous, c'est vous qui suivez les clients et vous ne connaissez pas. Vous envoyez une telle... Ça, c'est nuire à la réputation des gens. Et, oh non, ce n'est pas nous, c'est le service de conformité. Donc, le directeur ne sait pas, c'est le service de conformité. Il a dit, c'est pas compliqué, nous allons engager une procédure contre vous. Donc, voilà là où on en est. Et ils ont demandé au service de conformité... Et le service a fait toute la journée, n'a pas réagi. Donc là, elle attend, mais en attendant, on va engager une procédure contre la banque. Amen. C'était ça. Vous voyez, il a bien expliqué. Hein? Parce que ce sont des termes que moi, je ne connais pas. Alléluia, nous, c'est fire. Moi, c'est Matthieu, chapitre 1, verset 1. Moi, si c'est Matthieu, c'est moi. Marc, c'est moi. Jean, Apocalypse, on est d'accord. Hein. Mais quand tu touches ce point-là, je deviens comme ça, je te regarde. Voilà, chacun son domaine. Chacun son domaine. Alléluia. Ah, vraiment, l'homme est méchant à tel point. El hombre es malo a este punto. L'homme peut être méchant comme ça, vraiment. Men can be evil on this instance. Ça ne m'étonne pas. I'm not surprised. Je suis en train d'enseigner ça. I am teaching it. Ce sont des esprits. Those are spirits. Qui sont dans l'espace. They are in space. Ils veulent notre disparition. They want us to disappear. Ils ne veulent pas qu'on travaille ici. They don't want us to work here. Nous dérangeons tellement. We're disturbing so much. Et je vous ai dit attention. I told you be careful. Ils essayent par tous les moyens. They are trying in any cost. Et ils sont aussi capables de créer des histoires de mensonges. They're also able to contre create pasteur, lies against the pastor, contre l'église, against the church. Vous voyez, ce n'est pas, nous ne sommes pas les premiers à vivre ça. We are not the first to go through this. Je vis un homme de Dieu en Angleterre. I saw a man of God in England. Lui, il recrute des jeunes qui sortent de la drogue, tout ça, et il leur communique la foi. He takes youth from the drugs and he communicates faith to them. Mais il faut voir comment les médias ont essayé de les salir. You have to see how media try to spoil his name. J'ai compris. On ne peut pas nous aimer. I understood that they cannot love us. Si le monde nous aime, c'est que nous n'appartenons pas à Dieu. If the world loves us, that means we did not belong to God. That's right, man of God. Ne suivez pas ce que les médias disent. Do not follow what the media is saying. Ils sont au service des multinationales. Vous ne devez pas oublier ça. They are at the service of the multinational. You don't et ces multinationales qui vous traitent comme des esclaves. And this multinational that treats you as a slave. Tout le monde le sait. Everybody knows it. Vous le savez. You know it. Ils sont tellement forts. They are so strong. On ne les arrête pas. They don't stop them. Même quand ils sont pédophiles, on ne les arrête pas. Even though they are pedophiles, nobody stops them. Ils sont tellement forts. They are so powerful. C'est eux qui achètent même tout le monde. They buy everybody. Mais moi, je sais. C'est lui qui fait des miracles ici. Oh, yes. Il contrôle son monde. The one that makes il les arrêtera. Here, he control his world. Priez pour nous où que vous soyez. Pray for us, whatever you c'est want. Un sujet de prière. It is a prayer point. Nous devons renverser ces puissants-là. We need to ils doivent pull tomber. Down those power. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. They are not above the law. Ils doivent tomber. They need to fall. Au nom de Jesus. Où que vous soyez, prenez ne fût-ce que 2 minutes chaque jour, priez pour cette situation. Wherever you are, take 2 minutes to pray for this situation. Ils doivent tomber. They need to fall.
Tómense dos minutos por tu as le chèque là. Le message est passé. Passez le message à ton voisin. Qu'ils ont rendu le chèque. Chez toi. Sinon, j'allais vous montrer. Tout l'argent que vous donnez là. Ah, tu as raison. Oh, I'm sorry. La tête. La tête là. Je vais vous montrer le chèque. Il y a deux chèques. Des 100, 200. 279 et 8000 euros. Beaucoup d'argent comme ça. Ils ont fermé le compte. Avec beaucoup d'argent comme ça. Hein? Sans raison. Quelqu'un dit... Quelqu'un dit fire. C'est fire. Quelqu'un dit fuego. Ils ont reçu le fire. Ils ne supportent plus le fire. Ils vont fuir la France. C'est eux qui vont fuir. Nous, on va rester ici. La Bible dit, les méchants disparaîtront. Les justes posséderont les pays. The Bible says the evil will disappear. Hein? Ça, c'est 270, c'est ça. La Bible a dit que les malvados van a desaparecer et que voilà. Les justos van a posséder. On va montrer ça. Et après, tu fais passer, tu vas voir de 8000. Hein? Va. Par WhatsApp, ok. Attends, je te l'envoie tout de suite. Voilà, tu as raison. J'ai oublié que la technologie a évolué. You're right, I forgot that the technology has evolved. Voilà, je suis. J'ai oublié que la technologie a évolué. Je suis trop dans Alléluia, mais fire, fire. Moi, c'est fire, out, out. Me, it's fire and out. Moi, j'ai vu comme ça. Même ma fille m'a dit, papa, toi, là, tu cries beaucoup, hein. My daughter said, "Papa, you are shouting a lot." Lo mío es fuego, fuego, fuera, fuera. Aún mi hija, mi niña ha dicho, "Papá, gritas mucho." Y dice, "Papá, tú no estás fatigado." Dice, "Daddy, are you not tired?" Je dis, "Papá, no te cansas." Je dis, "Je suis machine de guerre." I told her, "I'm a machine of war." Le contesté que soy una máquina de guerra. La machine de guerre ne se fatigue pas. Je suis debout, non, depuis 11h. Une machine de guerre ne se jusqu'à cette heure-ci. Je suis debout. La 11, je suis ici de pied. C'est à cause des confinements, des confinements confinés là. On est obligé d'arrêter. Sinon, j'allais continuer. Si ce n'était pas les distanciations là, j'allais imposer la main sur vous un par un jusqu'à ce que je finisse. Ceux qui venaient en 2019, vous savez comment j'ai travaillé. Those that came in 2019, they know how I work. J'ai resté là, j'ai imposé la main à chaque personne. Vous passez comme ça par rangée. J'impose les mains, je chasse les démons jusqu'à ce que. On commençait le matin, on terminait tard le soir. We began in the morning, we finished in the evening. Machine de guerre. Empezamos por la mañana y que cette onction vienne chez vos enfants au nom de Jésus-Christ. May that anointing come upon your children in Jesus' name, I receive. Bon, ceux qui veulent donner une offrande, vous pouvez toujours donner. Vous êtes libre, hein? Amen. Si quieren hacer una ofrenda, pueden hacerlo. Vous nous suivez, vous voulez donner une offrande, vous voulez rendre grâce à Dieu par une offrande et une bonne offrande, faites-le, soyez libre. You are following us. You want to thank God by giving a good offering. Do it. Be free. Faites-le avec beaucoup de joie. Do it with a lot of joy. Ce que vous pouvez. Faites le meilleur de vous-même. Donnez le meilleur de vous-même. Give the best you can. Le diable te dit, non, ne donne pas 1000 là. Donne seulement 50. Dis-lui, au nom de Jésus, je donne le 1000. Say, in Jesus' name, I'll give. Le diable dit, non. Ne donne pas beaucoup, sinon tu vas mourir. Dis-lui, c'est pas l'argent qui m'a créé. C'est moi qui ai fait ça. C'est toi qui fais l'argent. C'est toi qui fais répliquer. Soy yo quien hago el dinero. Quelqu'un dit ouh. Quelqu'un diga ouh. Si tu n'en as pas aujourd'hui, je prophétise que Dieu mette l'argent dans tes mains afin que demain tu donnes.
put money in your hand so that you may be able to do it. À dater d'aujourd'hui, commence à contrôler ton compte en banque. Begin to check your account. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Il y en a qui trouveront l'argent dans leur Bible ou dans leurs livres de l'école. Je décrète, je déclare. In the name of Jesus Christ. Your book of school. Si tu vois l'argent qui se trouve quelque part dans ta maison dont tu n'avais pas connaissance, comprends que c'est un miracle. If you see money somewhere in your house. Parce que je sais que beaucoup veulent donner, mais ils n'ont pas. Alors, la Bible dit... Papa, il a vécu ça deux fois ce mois-ci. Tu as vécu ça deux fois. Tu as vécu ça comment? Explique. C'est un témoignage, non? Prends le micro. Allez. Come on, qu'est-ce que Jésus a fait? Ben, il y a... Au début du mois, j'avais demandé au Seigneur de me donner pour pouvoir semer à l'église aussi, que je puisse participer aux offrandes parce que je n'avais pas les moyens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vu dans mon compte, j'avais reçu presque 600 euros de Pôle emploi. Uh-huh. Et encore là, à la fin du mois, là encore 300 et quelques. Encore 300 et quelques. Tu as enlevé l'offrande? Est-ce qu'on peut enlever la dîme? Si tu enlèves la dîme et l'offrande, ça va encore venir. If you pay your tithe and offering, it will come back again. Ok. Ok, j'ai entendu quelque chose. Viens d'abord donner. Donnez d'abord. Donnez. Give, toi give, qui n'as pas encore donné. Donnez, donnez, donnez. J'ai entendu quelque chose. Yes, quelqu'un dit yeah. Suppose a year. Dit hmm. Suppose a yeah. Suppose a year. Toi qui me regardes là-bas, tu es sur le net, écris yeah. Somebody you are watching me, write a comment, say yeah. Tu qui me estás mirando en internet, escriba yeah. Quelque chose va se passer tout de suite. Si tu n'as pas donné, donne. Algo va pasar ahora mismo. Ahora mismo, donne. Maintenant même. Demande à ton prochain, si toi tu en as, lui l'autre n'a pas, donne-lui afin qu'il vienne donner. Tell your neighbor, if you don't have, give him so that he can make si toi tu en as, tu as gardé ça pour le kebab, aujourd'hui jeûne. If you keep it for kebab, today you need to fast. Aujourd'hui tu vas jeûner. Today you will fast. Hein? Tu voulais aller manger le kebab avec ton mari, ma fille. You wanted to eat kebab with your husband. Aujourd'hui là, vous allez dormir affamé. Alléluia. Je vais faire quelque chose. Je le dirai qu'après. Hein? Je le dirai après. Vous tous qui nous suivez, faites quelque chose. Allez sur notre compte. Nous avons un autre compte là-bas. All of you that are following us, go to our account. We have another account there, our website. Et là, ça c'est la puissance. Protégez là. Nous avons un autre compte là-bas. Le diable a bloqué un compte. Nous avons un autre compte. The devil has blocked one account. We have another account. Quelqu'un dit hallelujah. Somebody say hallelujah. Quelqu'un dit hallelujah. Maintenant, regardez. Levez seulement la main droite. Lift où que vous soyez, right, levez la main droite. Même si tu n'as pas de foi. Even though you don't have enough faith. Cela ne me regarde pas. It doesn't concern me. Ce que moi je veux faire, what I would do, ça ne dépend pas de ta foi. It does not depend on your faith. Ça dépend de ma foi. It depends on my faith. Ta foi, your faith, garde ça encore. Keep it. Garde ça un peu. Keep it. Tu vas utiliser ça quand tu vas sortir. You will use it after we come moi out. Ici maintenant même. Here right now. Je vais utiliser la mienne. I will use my own. Ma foi. My faith. J'appelle. I call. L'argent. Money. Devenir. To come. Dans votre direction. In your direction. J'appelle. I call. L'argent. Money. Nord. Money. Écoute-moi. Listen. Sud, écoute-moi. Est, yes. Écoute-moi. Yes. L'ouest, yes. Écoute-moi. Listen to my voice. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Que l'argent vienne. Money come. My God. La puissance de Dieu. Vos mains se mettront à trembler. C'est ça. C'est la puissance. C'est la puissance. Jesus. C'est la puissance. Fire. Take it now. La Bible dit, l'or et l'argent m'appartient. L'or et l'argent viendront vers vous. In the name of Jesus Christ. L'or et l'argent quittent le compte des satanistes. In the name of Jesus Christ. Come on! Money and silver, leave the account of Satanists and come here.
Je dis, quitte les comptes satanistes. Viens dans l'église. Now. Come to the church right now. Power. In the name of Jesus. Power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I receive. Power. I receive it. Marata shahata. Maraba. I receive it. In the name of Jesus Christ. I receive it. Tous ceux qu'ils ont visités, vous témoignerez. All of you that have dans visited, plein de temps, la gloire de Dieu very se révélera dans votre vie. Le mot, aïe, 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 ça c'est la puissance de Dieu. Ça c'est la puissance de Dieu. That's a power. Oh yes, oh yes, oh that's yes, oh yes. Ça c'est la puissance that's de Dieu. That's a power. Oh yeah. Look at this. Oh yeah. Somebody watch this. Oh yeah. Somebody watch this. Oh yeah. Somebody watch this. La pauvreté est en train de partir. Poverty is going. Ça c'est la pauvreté qui quitte le corps. That's the poverty that is in going. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Le lien de la pauvreté. The bondage. Où que vous soyez, j'ordonne à ce lien de la pauvreté in the name de se rompre maintenant même. In the name of Jesus. By power! Now! Maintenant! Rasha habakatere bata! Robo shehete hanama! Power! Rika robo shehete! La pauvreté amène le maladie dans le corps. Poverty brings sicknesses in la pauvreté attire le stress dans le corps. In the name of Jesus. Je commande à la pauvreté de sortir de ta vie. In the mighty name of Jesus Christ. Poverty, go! Pauvreté, sort! Que les satanistes deviennent pauvres. May Satanists become poor. In the name of Jesus Christ. In Jesus' name. Hallelujah. What a power. Rashata kabarata kashata. Rabo shehehehe abababa. Rishakata rababa. Ça, c'est le temps de démontrer au monde entier la puissance de celui qui était à la croix de Golgotha. In the name of Jesus. Nous allons procéder maintenant par force, par la puissance de Dieu. Nous allons posséder les portes de nos ennemis. Nous les possédons by the power of Holy Ghost now. Jesus name. Now. L'église church devient riche. Become rich. Hallelujah. Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus. Somebody say thank you Lord Jesus. Quelqu'un dit merci Jésus. Somebody say thank you Jesus. Où que vous soyez, wherever you are, vous verrez la grâce de Dieu. You will see the grace of God. Mais je vous conseille, I advise you, si vous voyez les opportunités se présenter devant vous, if you see opportunity coming before, l'argent s'est multiplié dans votre vie, money have multiplied in your life. Mettez Dieu en première position. Put God at the first place. Ne mangez pas tout votre argent. Do not eat all your money. Toujours quand vous avez de l'argent que Dieu vous donnera, if you are, enlevez votre dîme. Enlevez votre offrande. Remove your tithe and your et c'est comme ça, ça va continuer dans votre vie. And that is how things will continue in your Dieu, life. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, since I meet the Lord, je l'ai vu dans ma vie comme ça. I saw him in my life like this. Regardez mes vidéos. Look at my videos. J'ai commencé comme ça. I began like je this. Ne fais que monter. I'm climbing. Je n'ai jamais régressé avec Dieu. I never sat back with parce qu'il m'avait fait comprendre qu'avec lui, with him, nous irons de gloire en we gloire. Go from glory to glory. Je prie pour votre offrande. I pray for your offrande. Je le considère comme 5 pains et 2 poissons. I consider as a 5 loaves of bread. Au nom de Jésus-Christ, Father, que ces 5 pains et 2 poissons servent à nourrir le monde. In Jesus' name. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
May the Lord bless you. Demain, nous sommes ici. Tomorrow we are here. À la même heure. The same time. À la misma hora. Mes frères et sœurs, mes amis, mes enfants. My brothers and sisters, my friends. Où que vous soyez, vous qui me suivez. Wherever you are, you that are following. Je vous aime tellement. I love you so much. Et gardez vos témoignages. And keep your testimony. Faites une vidéo. Make a video. Vous avez les numéros, les téléphones là. You have the phone numbers. Envoyez-les par WhatsApp. Send through WhatsApp. Une vidéo de 2-3 minutes. A video of 2-3 minutes. Videos de 2 ou 3 pour édifier vos frères et sœurs dans le monde. To edify your brothers and sisters in the world. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. I love you. Je vous aime. See you tomorrow. We see ourselves tomorrow. Nos vemos mañana. Bye bye. Bye bye. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?